Je pense que c'est dans mon. Pour moi, je me suis dit, t'avais 8 ans. Mon jeune temps, peut-être jeune adolescence, genre. Ok, parfait. C'est bon. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu m'avais dit? Ben, je vais savoir, parce que si tu me dis que t'as pensé ça adulte, là, j'allais te juger. Là. Ah. T'allais me juger. Okay. Avec là. Fait que j'étais pas parano, finalement. On peut changer de sujet. Bon, on va parler des vacances. Moi, je suis pas venu, man. Les gars viennent sur moi comme ça. Oh my god, shit is funny. Je suis pas là next week, by the way. Thanksgiving. C'est Thanksgiving? Non, je suis pas là non plus. Ouais. Mais toi, de toute manière, il faut qu'on parle de ton horaire. Ben, qu'est-ce que ça change pour la semaine prochaine? Si t'es pas là la semaine prochaine, qu'est-ce que non, non, je suis pas là à partir du 20. C'est quel jour? Du mercredi, peut-être. Soit mercredi ou jeudi, je pars. Okay. Moi, je pars mercredi matin. Fait que c'est ça. Puis normalement, on enregistre le mercredi. Fait que toi, à moins que tu me disais que tu voulais le faire avant. Faudrait qu'on check là. Si bah, je fais mardi, moi je suis là. Si vous voulez essayer, moi je pars mercredi matin. Ouais, si vous voulez essayer de le faire lundi, mardi, écoute, je peux m'arranger là. Non, mais ton horaire. Avant mon chiffre, parce que je commence à 11h. Fait qu'au pire, tu sais, je peux quand même m'arranger à venir ici avant. Ah, ok, ok. Parce que c'est sûr que moi, à une certaine heure, comme à Mount. Mm-hmm. Ok, c'est bon. On va checker ça. On va checker ça. Let's see how this goes. Check it out. Merci, cher Steven, pour les. Ouais, c'est ça que j'avais dit. J'avais demandé aux. Quoi? Non, mais c'est les verres de LS? Non, 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 j'ai dit, vous m'avez pas entendu. Oh, on avait demandé, on avait demandé deux fois. On avait demandé deux fois. C'est ça. Non, non, non. Non, non. Merci. Fait partie de l'équipe, man. On voit les flashs. On voit les flashs, man. Ça fait longtemps qu'il. Je me sens déjà assez mal comme ça, là. Yeah, ok. Au devoir, t'es tellement une victime facile à attaquer. Bro. Oui, mais il se met dans cette position. Non, il est susceptible. Mais l'affaire, c'est que moi, dans mon groupe d'amis, c'est moi, ça. C'est moi qu'on emmerde tout le temps. Oui. Mais en même temps. Ça, c'est parce que t'es blanc et tes amis sont noirs. Ça n'a pas rapport. Comment tu me dis? Ça n'a pas rapport. Non, 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 les gars, parce que la fin, c'est que je réagis tout le temps. Ça laisse un peu plaisir. Steven makes you want to attack him. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est pas la même chose. Steven, je regarde ce mari. Pardon, j'ai reçu un message. Oh boy. Ah, c'est vrai que ça fait différent de ne pas se voir. Okay, ouais, sur l'écran, ouais. On a changé les gamins. C'est juste une question d'habitude. Ouais, c'est ça, non. I don't think that's gonna be so much. Bon, c'est quoi les sujets? Génial. T'es vraiment pas. Non, on va mettre, DJ Monty, puis on va mettre la séquence quand t'embrasses ma femme. LS. Ok, oh my God. Là, les gens vont voir comment t'es. J'ai donné un bec à la joue à ta femme. C'est la fête, c'est la fête. Ça fait juste parce que. On va pas. Quand je dis bye? Oui. Ok. Fait que c'est quoi, je posais de faire aux femmes comme ça, les femmes? Bye, comme ça? Non, je suis désolé, je n'ai pas été élevé comme ça. Dans la main. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Il est content de trouver quelqu'un qui t'encourage. Donc, faut que tu donnes la joue, tu ne donnes pas un bec. C'est ça. C'est joue à joue. C'est ça. Ouais, mais nous autres, on est au cours. Yo, apprends tes manners, mon gars. C'est quoi? Juste dire à ta femme de ne plus me croiser. Moi, je suis obligé. Parce que ça, c'est jamais joué. Moi, ça a toujours été joue à joue. Jamais. Hein? Quand j'étais plus jeune, moi, c'est quand on m'avait élevé, tu sais, saluer tout le monde, c'est pas du joue à joue. Overtime, c'était du joue à joue. Mais même moi, des fois, j'ai le réflexe que you know, je fais joue à joue, puis des fois, c'est un bec. Salope. Je te donne ma joue, là, non, c'est que j'ai même pas envie de t'embrasser. Parce qu'il y a des gens qui ont des manières. Tu sais, j'en dire, s'il vous plaît, merci. Non, mais c'est pas comme si. C'est comme... Mais c'est une inconnue, là, je la connais, là. Est-ce que je peux avoir un verre? Non, c'est bien, s'il te plaît. C'était on camera, si on avait mis ça. T'es vraiment con, mon gars. Oh, t'es vraiment imbécile. Non, you for fucking. Mais attends, pourquoi? Mais yo, on est là, on est bon. On est prêt? Yes, sir. Alex, on est bon? Oui. Ok, mais c'est quoi les. Ok. On voit pas la face à Alex. Fucked up. Écoute, souvent on a des sujets. Souvent on a des sujets, puis next thing you know. On n'adresse aucun sujet. Et pas t'emmener ici quelqu'un qui écoute même pas notre bail. Bof. J'écoute des clips. Non, mais je te fais aussi la une heure et demie, des fois, c'est. Je te garantis que personne ne va t'entendre. OK, si tu continues à parler comme ça, fait tu vas devoir essayer de. On va me voir, c'est ça qui est important. Non, oui, t'as voir, mais il faut t'entendre, excuse-moi. Oui, oui. On va m'entendre, quoi, on va m'entendre. Non, non, je vais manger. Non, c'est ça, il faut juste qu'elle avance. Moi, j'attendais. Non, non, non. OK. Je vais faire quelque chose plus tard. On est à l'école? Ouais. Ça paraît que vous vous connaissez déjà. Ah, ok, ok. On va changer. Ah, ok, ok. Attention. It's like everyone comes ready. Ça, par contre, on
comment tous les gens sont juste agressifs avec toi, c'est ça. Parce que le monde savent. Yo, pour de vrai, real talk. Le monde savent. Real talk. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, ok, j'ai commencé avec cette anecdote-là, ok, j'ai commencé avec cette anecdote-là, parce que j'ai l'impression que cette semaine, ou depuis la semaine dernière, tout le monde veut un piece of me, là. Ok, whatever, ok. Je m'en vais au car wash. Même car wash que je vais tout le temps, sur des Laurentides. Ouais, ouais. Ils t'ont vu, puis ils ont dit « not today, nigga ». Je rentre dans le car wash. Mm-hmm. Là, tu sais, il faut toujours le signe, tu avances, c'est comme pour... Ouais. Là, j'avance, pas de problème, le gars fait « parfait, j'arrête ». J'ouvre la porte, c'est comme si le gars me regarde, c'est comme si je sens un petit brin de hate. OK. De hate. Non, c'est qu'elle aime toutes des belles voitures tout le temps. Là. Non, c'est pas ça que je te dis. Le gars, c'est le car wash tout le temps. Le gars, c'est la première fois que je vois ce gars-là. Ok. Tu sais, quand tu vas au même car wash tout le temps, tu vois, c'est qui les personnes qui sont là, comment elles vont, tu sais. Ouais, je sais pas ton budget, je lave mon auto tout seul, là, mais est-ce que. Ferme ta gueule, chien. Fait que, dans le fond. Après, ils disent, viens pour lui. Mais je sais pas pourquoi que le monde voit la piece of me. C'est un petit genre. Ferme ta gueule, chien. Je suis vraiment comme un violon. I don't know. Non, mais c'est juste. Non, you know why. Non, c'est correct. I can come for you now. Tu sais quoi? What you should do is record yourself on a daily basis et réécoute-moi. Oui. Et puis après, fais semblant que t'es la personne qui est en train de dealer avec. De prendre le jument. Ouais. Ma femme me dit ça tout le temps. Elle me dit si je m'entendais, les choses seraient différentes. Mais bref, je finis mon histoire. Je pense qu'il serait d'accord avec ce qu'il entend. Ouais. Commence pas. Fait que. So, anyways. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ouvre la porte. J'aime pas le aura du gars, mais je dis bonjour. Le gars, il me dit intérieur, extérieur. Je dis oui, intérieur, extérieur. Mais il a dit okay. D'une manière bizarre. Et là, je commence à faire la même chose que je fais tout le temps, qui est, je débarrasse les gros objets qui sont aux alentours parce que dans le fond, je veux pas qu'ils jettent quelque chose qu'ils devraient pas avoir acheté. Mm-hmm. Ou, tu sais comment je veux dire? Ouais, comme, ouais, ouais, que dans le fond, je fais un petit débat. Puis on s'entend, l'auto était pas en bordélique. J'ai des affaires qui traînaient, whatever, tout ça. Fait que là, je commence à ramasser ça. Dans le fond, le gars, j'ouvre ma porte. Je lui dis intérieur, extérieur. Il me dit... là, il fait le tour. Il fait l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est comme si j'ouvre ma porte. J'ai l'impression qu'il attend que je descende tout de suite pour qu'il prenne mon tapis, pour que whatever. Il voit que je ne bouge pas parce que je commence à faire des affaires. Fait que ça va à l'autre côté. Il s'en va prendre l'autre tapis de l'autre côté puis il dit, no, it's okay. You can leave that there. Je suis comme, j'ai pas d'ordre à prendre de toi si je veux si je veux enlever mes fils de... Was it an order? Quand il a dit, it's okay, you can. Oui, il a dit... Il a pas dit, you should, or non, or il a just, dit, or it's just okay. Leave. Mais l'intonation, c'était... Le ton. Va-t'en. OK? On s'entend, ça fait même pas 30 secondes que je suis là, OK? Là, je suis comme, non, comme I want to take it out, parce que des fois, il brise les fils, tu sais. Fait que là, j'enlève le fil, tout ça et tout. Là, je m'en vais à la poubelle. J'avais des choses dans mes mains, je m'en vais à la poubelle. Je commence à mettre les affaires dans la poubelle. Je reviens. Là, il est rendu dans le côté passager, porte arrière, à l'intérieur de la voiture. Comme si, tu sais, moi, je rentre dans l'auto, côté passager, côté conducteur, je mets la tête dans ma voiture. Lui est dans le côté passager arrière. Fait qu'on est tous les deux dans la voiture. Il est comme, are you gonna leave now? Yo, je lave ma voiture depuis que j'ai comme 18 ans. Je vois dans des car wash. On m'a jamais dit ça de ma vie. Ever, là. Tu pensais que tu surveillais et que tu es en train de micromanage comme tu fais tous les jours. Non, moi, je pense pas qu'en 35 secondes, tu as le temps de prendre la venue à cette conclusion-là. Ben non, moi j'arrive, je serais préparé. Okay, moi, peut-être que c'est une barrière linguistique et que lui, comme c'est un nouvel employé, l'anglais, c'est pas sa première langue. Non, il était juste permettre et il était juste comme fréquent, c'est tout. Tu l'as déjà vu, lui? Non, c'est la première fois que je voyais. T'as pas laissé de type? Ah non, j'ai pas laissé de type, ça, c'est for sure. Ah non, mais c'est for sure. Cette question. C'est for sure. Non, oui, mais le type, c'est pas juste pour lui, c'est pour l'équipe au complet. Non, je comprends, mais comme l'équipe au complet sont capables d'avoir engagé un gars comme ça. Fait que tout le monde prend du bâton. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 233. 233, Alex? T'allais donner combien? Comme 232? Un dollar? 262? Je sais plus où ce qu'on est. Mais c'est ça que j'ai dit. On va checker ça, man. Ah, oh, t'es con! Non, t'es con! Non, l'épisode a été posté, Alex. T'as pas vu? On avait mis l'audio. On a mis l'audio, Alex. On a mis la vidéo aussi, Alex. T'as pas vu? On l'avait mis sur la page. Avec quelle vidéo? Jude a fait un travail de Jude a salvage pour les gens, pour les fans. Jude a salvage.
T'as pas, tu iras voir, juste la salvage. J'ai clairement manqué un coup. Juste a mis des images qui bougent. Il a mis des choses là. Anyways, OK. Fait, oui, Alex, je te confirme, 233. Je suis Steven Charles. Gabby Michel. Non, t'as menti. Guys, welcome back to the pod. Nothing changed. Everything is the same. Non, ouais, c'est ça. Everything is the same. Nothing changed. Absolument rien changé, guys. Non. Ah oui. Everything is the same, yeah. Right? On parle de. Okay, it's the same. On vit dans un air où ce que un air où ce que. Faut s'adapter. Il faut s'adapter. Tu sais, flow être like entrepreneur, water. Gabby, il faut pouvoir se tourner sur un 25 sous. Mais bref, on n'ira pas sur dans tous les détails. Non. On a avec nous une invitée très spéciale. Mm-hmm. Cheers. Welcome, cuz. Yes. Je t'explique comment ça s'est passé, chose, OK? Lui, là, il me texte, il me dit, ah, yo, G, bye. Il me dit, j'ai parlé avec ma cousine, elle veut venir parler du film qu'on a vu récemment, The Marvels. On en avait parlé brefement. Oui. Puis, en fait, on a eu quelques petits échanges en ligne. Oui. Puis, je me suis posé la question, est-ce que je devrais vraiment m'embarquer? Ou laisser ça pour le pote. J'ai juste tout simplement envoyé l'invitation. Oui. Gracieusement, elle a accepté. Et moi, j'ai dit, yo, je veux rien savoir de ta cousine, je veux rien savoir comme vague sur elle. Là, tu m'as dit, oh non, tu sais, tu la connais, elle est vraiment gentille. J'ai dit, non, fuck that, c'est une hater, elle aime pas le LS, whatever. Fait que là, mais après ça, finalement, j'ai dit, yo, it's gonna be great content. So I said, OK, si it's fine. Tu dis tout ça pendant qu'elle a un verre de lait. Elle fait un effort pour toi, en plus. Yo, G, j'ai dû la battre. Oui, pour prendre le LS. Il faut faire un effort pour voir le LS. Mais tout ça pour dire que la vidéo que tu as envoyée à notre ami Mutuel, yes, de l'affaire du crémasse, I did laugh a lot. Alors, parce que pour moi, this is the exact reason. This is the exact reason why LS Cream exists. I think it was the most disgusting thing I've ever seen in my life. Et puis, au moins c'est du vrai crime. Mais tu sais que ferme ta gueule, espèce de chien. Mais tu sais que j'ai averti, j'ai fait des signes. Non, écoutez, je n'ai pas des signes. Mais non, mais ça m'a fait rire. Mais c'est pas grave. 2024, it's gonna be my year. Your year of what? Hey, 23, c'est bon pour LS quand même. Mais 23 était good pour LS. Non, mais parce que... C'est simple de faire ça, là. Non, mais parce que j'ai fait exprès de me... J'ai comme un peu back-off de la communauté haïtienne, juste pendant que j'étais en train de repositionner le brand. Fait qu'en étant aux États-Unis... Il faut vraiment que tu te concentres aussi sur ce qui est en train de fonctionner. Oui, c'est ça exactement, mais c'est juste que, tu sais, la vidéo aussi m'a fait remarquer. C'est quelque chose que je savais, mais quand je vois une vidéo comme ça, ça m'a juste reiterate le point... La mentalité, mais aussi le fait que comme there's a need pour le slogan de LS qui est l'évolution du crémasse. Tu comprends? Qui est non, it's not your typical crémasse, mais comme guys, c'est pas traditionnel, comme c'est pas guys, inspiré. Est-ce qu'on peut comme level up, comme pour de vrai? Genre on est rendu dans des grosses machines, dans des grosses skies. On porte des designer glasses. Everybody fly. Ta bouteille de crémasse, mon gars, c'est ce qu'elle fait dur, man. Yo, my bad, man. Je suis désolé. Pour de vrai. Non, you some good shit. This some good shit right there. On parle de la bouteille dans le gobelet plastique, là? Les deux sont whack. Les deux sont whack. Les deux sont whack. Non, yo, les deux sont whack. Les deux sont whack. Le crémasse en tant que tel est toujours pouesse, là. C'est pour ça que ça pourrait jamais être vendu à l'essentiel. Oh, merde. Exact. Yo, à la fin, il verse le vrai. Non, c'est du yogourt. En vrai, c'est du yogourt. Le hate qu'on va avoir encore. Non, je préfère. C'est différent, c'est pas la même chose. N'oublie pas ça. Ça chute, c'est sensible. J'aime le vibe avec la tasse. Anyway, tout ça pour dire welcome. Oui. Welcome, Shirls. Fait que tu vois, tout ça pour venir à ton welcome. Fait que finalement, c'est ça que j'ai mais, vu. Mais merci. Introduce yourself to the people. T'es pas obligé de donner tout ton dose. Tu l'introduces en parlant de LS, c'est toi, LS. Là, pas introduce pour tout, là. J'adore Marco. Maintenant, il dit, tout ce que j'ai fait pour t'introduire, il a parlé de LS. T'es pas en Colombie, toi? Je suis là, maintenant. Mais yo, va sur toi, mon gars. Je suis là. Oui, Charles, introduce yourself to the people. C'est la première fois que tu viens au pod. Fait que, you know, this is a family here, so they need to know who you are, what's all about, you know? So, je suis la cousine à Gabi. Boo. I'm kind of your cousin, too. Boo. À travers Pascal. Boo. So, mon
nom c'est Shirls, mon nom gouvernemental c'est Shirley, but I go by Shirls. Je fais beaucoup de critiques de films. Après 5 heures, je suis aussi chef à la maison. Kid! OK. Je suis à manger, mais appelez-moi pas s'il vous plaît, j'en fais plus. You make dope food! Don't call me. Don't call me. Mais en fait, c'est pas que j'en fais plus, j'ai juste pris comme une pause. OK. Puis. Tu as fait ça, I guess, pendant la pandémie? Non, j'ai commencé avant la pandémie. Ouais, okay, cette année, c'est ma 7e année, en fait. Je sais que la pandémie, ça a été gros là-dessus. Pendant la pandémie, tu voyais pas que tout le monde vendait des seafood boils. Oh, mais en fait, j'étais la deuxième personne qui a commencé les seafood boils. Parce que la première personne, elle a bougé à Ottawa, fait qu'il n'y avait plus personne. Oh, wow! Okay. Yeah. Mais c'est quoi un seafood boil? Je comprends pas c'est quoi? Ben, le seafood boil, ça vient de la Louisiane, mostly, New Orleans. Fait que c'est des crevettes, crabes des neiges, pommes de terre, maïs. Ceux qui sont enragés mettent du brocoli et des œufs, là, j'ai jamais capté pourquoi. Okay. Mais le vrai, là, c'est vraiment ça. C'est comme un genre de bouillon? Non, c'est une sauce à l'ail. Tu sais, il y a de l'ail, du beurre, les épices. Okay. J'ai même déjà vu des setups parce que comme tu as une table, ils mettent comme une nappe en plastique puis ils versent tout. Ouais, tu as des crawfish, tu as tout et tout ça. Mm. Pendant la pandémie, quand il y a eu la PCU, puis que tout le monde se sont lancé dans le petit football, moi, j'en ai fait aucun parce que je voulais regarder les gens. Fait que tout le monde m'envoyait. Non, on les voit plus parce que l'affaire avec le seafood, c'est que oui, c'est fraîche, mais il faut que tu saches où l'acheter pour que tu fasses un profit. Parce que moi, la première fois que j'ai fait le seafood, j'étais en déficit d'au moins de 400$. Oh ouais. Parce que juste une pâte de crevette, là, juste la pâte, là, c'était 80$. Fait qu'il fallait que je trouve des endroits où est-ce qu'ils vendent la caisse. Puis que je rebalance le prix que moi, je chargeais pour au moins rentrer. Ouais, un peu d'argent, un peu d'argent. Comprends. Après ça, quand tu fais ta première batch, tu sais, les gens vont donner une bonne critique et tout. Mais moi, je suis très sévère. Je veux vraiment que les gens me le disent pour que je puisse m'améliorer. Pas juste dire, c'est bon, puis dans mon dos, tu dis, oh, c'est dégueulasse. Fait que moi, mes premières batches, j'ai pas aimé. J'ai dit, non, c'est pas ma signature, il manque quelque chose. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de tests. Fait que ça, c'est de l'argent de mes poches. Of course, for sure. Puis après ça, j'ai pu présenter un produit qui fait du sens. Aujourd'hui, c'est ma signature. Et après ça, ben, tout le monde a commencé à faire le seafood boil, qui a été un désastre. Mais pourquoi? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi qui s'est passé? Ben, moi, j'ai entendu parce que tout le monde m'envoie les affaires, puis I'm always on socials. OK. So, whatever. J'en vois beaucoup sur Snapchat. Il y en a, c'était de l'eau. Tout le monde le faisait. J'ai vu. Moi, ma part, on faisait à la maison, on n'a jamais acheté. J'ai vu, c'était de l'eau. La crevette flottait sur la surface de l'eau. Wow. J'ai vu, l'eau, c'est carrément des gros morceaux de d'ail. Wow. Même pas écrasé, même pas blendé ou peu importe ce que tu utilises. Mais pourquoi les gens se sont lancés là-dedans s'ils ne savent pas cook? Mais parce qu'ils pensent qu'ils vont faire un cob. Parce que quand tu fais bien le seafood boil, tu peux faire un profit de 600$. Et plus, tout dépendamment le nombre de commandes. Je comprends. Je faisais mes profits, c'était entre 400 à 600 dollars par client. Non, pas par client. Par journée, je comprends. Parce que c'est pas un plat qui revient tout le temps, les restaurants ne font pas vraiment. Fait que quand il y en a, le monde saute. Fait que des fois, je faisais des grosses commandes de 40, 50. À un moment donné, j'ai dû comme faire une limite. Parce que c'était too much. Mais si je continuais ça, je pouvais faire des 400-600$ juste en profit pour ce plat-là tout seul. Interesting. Je veux voir c'est quoi un seafood boil. Les gens, j'ai vu des choses. Mais toi, c'est l'algorithme. Lui, il voit juste affaire d'extraterrestres. C'est quoi? On va du manger. Ouais, j'ai vu des massacres. Il y en a beaucoup. Ça ressemble à ça. C'est exactement ça. Il y en a qui ajoutent du homard, comme tu vois ici. Mm-hmm. Mais la base, c'est ça. C'est vraiment ça. Je comprends. OK, cool. Après, quand ça s'est arrêté, moi, je suis arrivée et tout le monde est venu. Je comprends. De faire un petit quelque chose. Oui. Je prends des petites commandes ici et là, mais il faut que ça fasse du sens. Mm-hmm. Puis, une des raisons pourquoi j'avais arrêté, c'est que les gens argumentent avec tes prix, puis sont comme, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est trop ça. Next. Il y a pas mal, je crois, comme, qui était en business. Puis, quand je me mariais, c'est la même chose. Quand je demandais, je comme, t'es DJ, pourquoi? C'est quoi ton prix? C'est trop cher, je vais pas négocier. Ouais. Je vais aller ailleurs. Mm-hmm. Exactement. Moi, je dis, parce que quand tu négocies le prix, c'est comme si tu es en train de me dire, tu vaux pas ce prix-là. Ça, c'est emmerdant. C'est vraiment emmerdant. Puis, c'est le prix des aliments. Fait que moi, je dois acheter un certain montant. Et je dois aussi calculer que ce que j'ai acheté peut faire d'autres plats aussi pour que ça revienne. Fait qu'exemple, dans le temps, j'achetais un gros sac de 10 kilos de farine. Mm-hmm. C'était 13$. Ouais. Maintenant, c'est 30. Ouais. Le même sac. Ouais. Fait que pour que moi, je rentre dans mon argent, si je fais un plat de chicken and waffle, qui est mon autre signature,
s'obliger de aussi faire. Mais tu sais, pour rentrer. Mais tu sais, pour. Tu m'as plus eu avec Chicken and Waffle que non. Le football. Puis tu sais, que je donnais un exemple, tu sais, puis. Mais je veux dire quelque chose que. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'admettons, pour être smart, qu'est-ce que tu fais, c'est. Admettons, le prix que tu négocies pour une transaction, ce n'est pas le même prix que tu négocies pour 10 transactions ou 1000 transactions. Fait que ça revient exactement à ce que tu dis. Tu n'avais pas le choix d'aller directement à la source du fournisseur pour essayer de baisser ton prix, pour essayer de faire un markup. Parce que moi, tu vois, c'est exactement dans la même position que je suis avec LS. J'ai été obligé de prendre 3 containers de bouteilles vides, mais... Ça m'a coûté beaucoup plus cher, mais ça m'a coûté moins cher que si je prends un terme. Exactement. Mais, you have to fork out more money in the beginning. Which is like, tu sais, c'est comme un given the curse, tu comprends? Ouais, mais bref, je comprends ce que tu veux dire. T'as dû. L'inflation, toutes ces affaires-là, comme at the end of the day, it affects everyone. Ça affecte tout le monde. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui volait mes recettes, mes plats, mes photos. Fait que ça, c'est qui s'appropriait les crédits. Pour les vendre après. C'est ça, ils disent, voici mon seafood boil. Ouais, ben pas juste le seafood boil, c'est plus le chicken and waffle, red velvet. Ouais. Les waffles sont red velvet? T'en fais encore ou? Parce que je suis mes cousins aussi, c'est où? Non, mais. Écoute, yo, en Colombie, je mange ça tous les jours. Chaque matin, mon déjeuner, c'était chicken and waffle. C'était tellement bon, man. Non, il est. Parce que la fois, c'est que la première fois que j'ai mangé un chicken and waffle, c'était en 2011 aux States, au IHOP. Parce que j'entendais tout le temps. L'année même. Oui. Parce que pour moi. Il faisait chicken and waffles au IHOP, je savais même pas. Je savais même pas qu'il faisait chicken and waffles au IHOP. She remembered the year. J'entendais tout le temps ça dans les chansons chicken and waffle. Puis je comme, yo. Premièrement, je savais même pas c'est quoi un waffle, le chicken. Ah oui, c'est vrai, Ludacris disait ça vraiment. Tu comprends? Fait quand j'ai goûté, j'ai dit, yo, this is my plate. Mais quand je suis arrivé, quand je suis retourné à Montréal, personne ne connaissait ça. Right. Fait que quand j'ai commencé mon brand, j'ai commencé avec ça. Chicken and waffle. Fait qu'au fil des ans, j'ai profilé mon poulet et tout. Parce qu'on commence toujours à la base. Le poulet haïtien, tu essaies de le frire, là. C'est pas la même chose. Laissez faire les épices. Mais moi, je trouve que c'est la bonne panure. C'était pas un poulet avec des os, c'est le poulet des os. Mais est-ce qu'il y a une place à Montréal? Ça, c'est des nuggets. Non, mais justement, c'est ce que je mangeais là-bas. Est-ce que vous connaissez une place à Montréal vraiment qui font du bon, like, chicken and waffle? Parce que dernièrement, j'avais été avec Bakil, j'avais été avec la clique, on a été à l'Omokogo, puis lui avait vu le chicken and waffle sur la photo qui avait vraiment de la... Puis l'autre question donnée, c'était pas en forme. Ils ont donné, les waffles étaient chill, mais c'est comme chicken. Des genres de croquettes frites. C'est des lanières. C'est des lanières. C'était tellement dérespectant, je sais pas. Moi, j'ai tout essayé, les chicken and waffles de tous les restaurants, puis c'est pas pour... dire que je suis meilleure. Mais je n'ai pas trouvé personne parce que le waffle est soit dry, soit il est trop mou. OK. Fait qu'il n'y a pas de le faire maintenant. Si te disent red velvet waffle, l'affaire est rose ou brun. Ouais, je comprends. Fait déjà, moi mais à Montréal, ce n'est pas une référence, là, on s'entend. Ben, ce n'est pas une référence, mais... Moi, le meilleur chicken waffle que j'ai mangé était à Atlanta. Of course. C'est certainement pas ici. Le waffle red velvet, je présume que c'est un diabète killer. Pas nécessairement. Quand moi j'ai commencé le red velvet, j'ai pas pris une recette sur Pinterest ou ces affaires-là. Fait qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris la boîte de gâteau, tu sais, le gâteau red velvet, puis j'ai essayé de faire la gaufre avec. Okay. J'ai eu le diabète live. Oh, comment? Parce que c'était intense. Ah ouais. C'est trop sucré. Fait j'ai dit, je peux pas faire un red velvet, puis c'est trop sucré. Tu comprends? Tu prends une bouchée, t'es comme, quête. Fait que j'ai dû faire des tests. Après ça, j'ai appelé mon ami qui est pâtissier. Fait j'ai dit, oh, essaie de me trouver une recette ou comment je pourrais balancer ça pour que ça soit mangeable, que la personne au moins peut manger les 4 morceaux. Là. Fait que ça a pris beaucoup d'essais, d'erreurs, de gaspillage avant de trouver vraiment la recette. Après ça, c'était la couleur, la température. Parce que si je te dis un red velvet, il ne faut pas que ça soit brun quand je te le donne. Il ne faut pas que ça soit pink, il ne faut pas que ça soit purple. Mais le red velvet, en général, c'est quelque chose qui est difficile à faire. En général, même si tu fais un gâteau, même si tu fais comme... c'est difficile à faire. C'est beaucoup plus d'étapes que... Non, je le sais. Non, mais c'est un thing. Je me rappelle que... Pourquoi que je savais ça? Parce que... J'essaie de m'imaginer toi en train d'essayer de me faire du bail pâtissier. Non, absolument pas. Non, je pense que c'était ma femme qui me disait ça. Je pense que c'est ma femme qui m'expliquait que la raison que n'importe qui faisait pas juste comme un red velvet comme ça, comme je vais faire un
Red Velvet Cake just for fun, mais c'était parce que c'était compliqué d'aller chercher la couleur, puis comme le goût, puis tout ça, puis comme le goût, whatever, la température. Ouais, ouais. Si tu mets trop de chocolat, ça va devenir amer. Mm. Tu sais, c'est beaucoup. Okay. Faut que tu balances. Mais le plus gros, gros problème, c'est vraiment la couleur. Ouais. De un, une fois que tu as master la couleur, faut que tu master le crispiness. Faut pas que ça soit mou, faut pas que ça soit ça. Fait qu'il y a des trucs, je vais pas les donner. Fait que là, mais il y a des trucs. Mais, chérie, laisse-moi t'arrêter 5 secondes. Fait que là, t'es en train de tout décrire ça. Puis tu vas encore dire aux gens que tu peux pas, ils peuvent, s'ils veulent te checker, ils peuvent pas te checker. Pour l'instant, mais je vais revenir. OK. Donc, fait non, tu, oui, je, fait, OK, fait qu'on donnera ton chose à la fin. Oui, oui, oui. Ça, oui, les oui, gens vont pouvoir te save. There ils vont pouvoir te save. Ouais, ouais, après ouais, ça, je ils vais, vont je pouvoir. Juste je comprends. Je prends une petite pause parce que je suis en train d'apprendre d'autres choses aussi. Je comprends. Parce que tu sais, c'est le fun de faire ça, mais quand tu fais toujours, toujours les mêmes plats, on dirait que ça te bloque pour apprendre autre chose. I get it. Fait j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre un break, puis je vais apprendre autre chose. Tu vas retourner quand tu seras prête? Ouais, quand je vais être prête. Je reçois encore des messages, comme juste quand tu reviens, I'm starving, je n'ai pas mangé depuis X temps, ben, je suis comme, aide, okay. Mais en gros, que c'est beaucoup, beaucoup de technique, beaucoup de travail, puis des fois, les gens ne le voient pas. Fait que tu faisais ça seul ou tu avais une équipe ou quelques personnes qui t'aidaient? Quand je fais les plats, je fais ça seul. Quand je faisais les événements Food and Chill, j'avais une équipe. Right. Food and Chill. Yeah, j'en ai fait. Give me ça. Chill. Give me ça. Give me ça. Food. Give me ça. Non, tu m'avais invité une fois, puis je pense que I couldn't make it. T'as vu toutes les photos sur IG de Gibby quand Gibby dort, right? Quand Gibby est dans les sorties pendant l'été, t'as vu toutes les photos? T'as toujours le dos de Gibby dans toutes les photos. Le dos de Gibby avec un verre, mais c'est le dos de Gibby, mais il y a un verre dans ses mains. Food and chill. Gibby. Martin, comment était la Colombie, bro? C'était nice pour le vrai. Oh, on avait fini avec elle? Oh, sorry, c'est correct, c'est correct. C'est juste, oui. On présente pas comme il faut, on me call up. Non. Je pense que c'était le segway. Non. Le food and chill. Yeah, bref, soit elle m'a pardonné. C'est bien, il se dit, catch up out the chicken in my food. Mais pour vrai, je suis vexé. Elle parle d'affaires. Je pense que quand elle a dit qu'elle faisait plus de bouffe, elle dit, fuck this chicken in my food. Ok, parce que comme ça, on t'écoute. Non, c'est juste. Non, mais pour de vrai, en gros, c'est pas compliqué. La Colombie, c'était vraiment nice. J'ai jamais été. Ça fait longtemps que je voulais aller. Puis, je suis content surtout qu'on l'a fait dans un Airbnb, pas dans un hôtel. Fait qu'on a plus de liberté. Tu sais, les autres hôtels sont pas toujours nécessairement. Souvent, ils sont à l'extérieur de la ville. Fait qu'on était vraiment dans Gethsemane, qui est comme le Heart District. Mm-hmm. C'est juste un vibe, man. C'était comme dans le cœur de l'action? Ah, le cœur de l'action. Chaque soir, tu marches dehors. Puis c'est comme si, dans la journée, il n'y a pas beaucoup de monde. Il fait tellement chaud. Mm-hmm. Le monde, il relaxe la journée. Puis le soir, c'est juste, les rues sont pleines. Pleines, tu manges dehors. C'est quoi la capitale? Cartagena? Non, t'es à la Cartagena, mais on n'est pas allé. C'est à Bogota. Là. Je pense que Bogota la capitale. Attends, excuse-moi. La capitale, c'est Bogota? Ben, je crois, c'est soit ça ou Medellin. Ou c'est l'autre, là. Ok. Mais je sais que Cartagena, c'est une petite ville. Je pense que c'est 800 000 habitants. C'est quand même gros. Mais où ce qu'on était, c'est comme le vieux. Hein? Bogota, c'est ça. C'est comme le vieux Montréal. Puis c'est vraiment, c'est juste nice, man. C'est une belle vibe. La seule affaire, c'est que personne ne parle anglais, c'est juste de l'espagnol. Puis mais vous avez le téléphone, c'est ça. Puis je me débrouille, c'est pas ça l'affaire, c'est juste que. Puis qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Ils disent la majorité de leur clientèle de touristes, c'est du Latin America. Ils voyagent entre eux, comme des Argentins, Uruguayens qui vont aller là ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ne reçoivent pas tant d'Américains et Canadiens que ça pour Uruguay ou quoi que ce soit. Ouais. Mais maintenant, avec l'application Google Translate, là, je l'ai eu besoin, là. Même les menus, la caméra, tu mets la caméra sur le menu, ça te fait live. Yeah. Je savais pas, c'est comme merveilleux. Puis ça va être une conversation aussi. Une conversation, tu parles, il parle, puis c'est comme si tu. Oui. C'est vraiment nice. Ouais. Mais à part ça, pour de vrai, c'est vraiment chill. C'est juste que là, on était 7 gars, fait que c'est difficile de sortir. Tu sais, quand t'es beaucoup, tu veux sortir, tout le monde c'est toujours un problème. T'as toujours un qui négocie. Ah, on sort plus tard, je suis fatigué. Mais à part ça, dans un vibe, il faut que tu sois capable de dire, tu sais quoi, moi je veux faire telle affaire, ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Ah, mais je suis le genre depuis que vous êtes mais je me souviens, des fois, je suis parti marcher, j'étais tout seul, ou j'avais un panneau avec moi, puis c'est tout, là. C'est comme, je vais pas attendre après le monde. C'est comme un certain minimum aussi, pas être tout seul, littéralement, mais pas nécessairement que les sages sont mobilisés. On a fait une activité, c'était une île qui s'appelle Chulon, puis on est allé, on a loué un bateau, puis t'arrives là-bas, c'est juste des bateaux un côté de l'autre, comme trentaine de bateaux en cercle, t'es dans le milieu, t'es dans l'eau, DJ, puis c'est comme, c'est juste. Un bel vibe là, pour de vrai. C'était vraiment nice. Vas-y. Qu'est-ce que je disais à Gabi tout à l'heure, c'est qu'à la Cartagena, c'est aussi bien en groupe comme Boys Trip, Girls Trip ou en couple. De tout, là. C'est vraiment. Pour moi, je le recommande. Parce que c'est une place que je vais retourner. Définitivement, c'est un spot que j'aimerais aller checker. Ouais, c'est vraiment bien. C'est pas trop cher pour de vrai. La bouffe est pas chère.
Je vais en profiter. Je vais te laisser finir, mais je vais profiter parce que c'était un sujet que je voulais rajouter. Il y a un bateau qui a coulé. Oui, j'ai vu au Bahamas. Au Bahamas, OK. Fait que, guys, quand vous prenez vos excursions, allez pas avec le bail trop cheap, on the side. Oh, mais non, on a bien cher, là. On a pris un bateau pour nous seulement en plus. Faites attention. Okay, toi, tu prends un bateau d'excursion. Un petit bateau d'excursion pour aller chill, là. Check, comme... on n'a pas la télé, là, mais attends. Ils ont mouru? Attends. Non, ils ont... Il y a une personne de morte. C'est celui-là? Parce qu'il y avait un autre aussi. Oh shit. Mais t'as vu ça, on avait le choix. Belle, on avait le choix de monter dans un bateau avec plein de monde. Ouais. Ou de payer plus cher pour un bateau pour juste pour nous. C'est ça. Ça qu'on a fait. Un bateau juste pour nous, on pas trop. On était 7 sur un bateau qui peut prendre comme 15-20. Fait que là, les bêtes vont juste venir comme. Ben écoute, dans le fond, il y a un bateau sauvetage qui est venu sur le côté. Ils ont comme dû nager pour aller à l'autre bateau. C'est un petit bateau. Mais après ça, il y a une image du bateau. Le bateau est en train de couler. Tu vois, le bateau est en train d'aller au fond de l'eau, là. L'autre bateau, là. Yo. C'est enragé, là. Vraiment, cette vidéo, là, mon gars. Ok, mais je ris pas là parce que c'est pas drôle. Mais, je veux dire. Il faut être prudent. Il y a quelqu'un qui est mort, supposément. Puis le pire, là, on est mort sur ce bateau, là. Il n'y avait aucun gilet de sauvetage. Hein. S'il était là, il était caché, je sais pas où. Ah, sur le bateau que toi, t'étais? Il y a un gars, nous, qui avait son gilet de sauvetage parce qu'il l'a amené de Montréal. Mais il est venu avec son gilet de Montréal. Oui, il est venu avec son gilet de sauvetage. Mais, ma bad. C'est qui, je dis comme là? Ma bad. Le pire, c'est que son premier voyage. Celui qui voulait rester en vie. Il y a jamais resté sa vie. C'est la première fois qu'il prenait l'avion. Un trajet quarantaine, première fois qu'on prend l'avion, puis il est arrivé. Ok, je peux comprendre, Mais il est smart, il était le seul sur le bateau qui avait un gilet de sauvetage. Sur ce bateau-là, il y avait pas une partie... Je change mon commentaire, négligemment. Il n'y avait pas une partie dans l'excursion qui vous laisse comme sauter dans l'eau, puis tout, ou... Tu sautes dans l'eau, mon gars. Ah, avec rien? Souvent qu'on nageait, c'est ton problème. Ah oui, faut non, mais où est-ce qu'on allait? Non, mais où est-ce qu'on allait? L'eau nous avait peut-être ici, on était correct. Non, c'est juste que c'était dans la mer. Non, mais j'ai pas sauté dans la mer. Non, mais comment l'eau t'est arrivée jusqu'à où, tu dis? Ah, ici, peut-être là. Ok, comme tu vas te mettre debout. Mais attends, je comprends pas pourquoi vous avez plus le bateau par là. Non, juste pour arrêter. On est parqués dans l'eau. Pas à genoux là. T'es à une heure de Cartagena. Non, elle dit quand t'es dans l'eau. Non, c'était à une heure de Cartagena. La fête n'est pas sur le bateau, la fête est dans l'eau là. T'arrives là-bas en bateau. Une fête. T'arrives là-bas et tout ça. Moi, je parlais de quand t'étais dans le bateau. Non. There's two types of chill. Tout dépend si t'es avec des blacks ou si t'es avec des blancs. Si t'es avec des blancs sur un bateau, prépare-toi à faire des affaires bizarres. Comme ce que t'avais fait. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Parce que quand t'as dit ça tout à l'heure, je pensais que t'avais fait la même chose que moi j'avais fait, qu'on a pris le bateau, puis le partner, il a mis l'ancre au milieu de la mer. Là. Martin, j'ai fait ça l'année passée. Si tu vois, j'ai fait du snorkeling. Et voilà. Ben, tu fais du snorkeling comment? Mais j'ai une question pour toi. Tu dis affaires de blancs, tous mes amis sont blacks, puis ils ont tous fait du snorkeling. C'est juste toi, tu sais pas nager, c'est correct. C'est des Canadiens. Anyway, question. Oui. Le bateau s'arrête, il dit que vous pouvez sauter dans l'eau, puis tu vois qu'il y a des barracudas. Tu vas sauter dans l'eau pareil? Mais non, mais pourquoi ils vont m'envoyer là? Ils savent où est-ce qu'ils vont là? Explique qu'est-ce que tu pensais quand tu as sauté. Mais le problème, c'est que les barracudas peuvent arriver même si tu les vois pas tout de suite. Mais ils savent où est-ce que tu vois. Quand tu fais du snorkeling, ils vont parce qu'il y a des corails, souvent c'est trop. You were young and dumb. Young and dumb, ouais. Tu as sauté. Ouais. Tu es en train de dire c'est une affaire de blanc. Et voilà. Non, mais c'est parce que. C'est canadien. J'ai sauté dans l'eau, j'expliquais. Mais l'affaire du barracuda, non, j'ai pas sauté, Gaby. Le barracuda, okay. C'est Ruben puis Rénal ont sauté. T'as pas sauté toi aussi? Rénal a sauté, Ruben a sauté. Pas moi. Non, t'as raison. On a pas sauté dans le milieu de la merde. Peut-être que back then, tu m'avais fait. Mais j'étais à faire du sidou. Ça, ils m'ont donné un jet de sauvetage. J'étais à faire du jet ski dans la mer. J'espère. Les deux dernières fois que j'étais en Floride, il y avait des requins dans la mer. So, better be careful, guys. Ok, guys, fait que t'as aimé ton voyage? Ouais, c'est bon, ça fait du bien pour toi. Fait que, Gibby, toi, combien de personnes t'as battu ce week-end? Zéro, man. Zéro. Je suis tombé sur personne qui me faisait penser à toi. Everything's good. Wow. Everything's good. Les couteaux volent bas, man. Trop bas, man. Les Giants ont perdu encore ce week-end, par exemple? T'es vraiment caca. Oui, effectivement. Oui. Ils se sont fait ronfler. Ah, ça m'énerve. Okay, mais yo, guys, bro, vous savez pas à quel point. Mais écoute, c'est comme si tu t'attends à ce que NBA Championship. Ils ont pas perdu un quarterback aussi? Martin. Ok, trop de questions. Une chose à la fois, ok? je m'attendais pas à un NBA Championship de quoi que ce soit. Mais il y a quand même des niveaux. Il y a perdre et après, il y a se faire spank. Ils se sont fait spank deux fois par les Cowboys cette saison. Ce qui m'énerve encore une fois, c'est que je suis dans mon fantasy league, je suis en train de me faire fouquer à cause de ça. Comme les Cowboys. C'est comme tu perds émotionnellement, puis tu perds financièrement aussi en même temps. Non, mais fantasy league, là. Les Cowboys. Tu peux pas rentrer là-dedans
avec ton équipe que t'aimes, car tu sais qu'ils sont pas bons. Non. J'ai pas de joueurs. J'ai pas de joueurs des Giants. Ok. C'est juste que les moments où je m'attends, où ce que l'opposition, des joueurs que j'ai, que je pense qu'ils vont faire un paquet de points contre les Giants, tout d'un coup, les Giants décident de bien jouer. Ouais, c'est ça. Puis après, quand c'est contre les joueurs que j'espère qu'ils vont bien performer, c'est le contraire. C'est de la merde, là. C'est de la merde. Pire, ils se sont fait ronfler comme, je sais pas, 50 000 à 4. Mais 50 000 à 4. C'est correct, là. Rendu là, j'espère qu'ils vont perdre toutes les games puis qu'ils vont avoir quand même un meilleur draft pick. Listen. Mais merci de me faire appeler. Merci. Listen, on va rentrer. Je sais que t'es impatient de parler de Marvels, mais ouais, non, quand j'avoue que c'est toi qui m'as fait comme mis son t-shirt de Marvels, j'étais comme oui. On va rentrer tout de suite dedans. On va juste mettre ça de côté. Qu'est-ce que tu penses de Draymond Green? Est-ce que tout le monde a vu qu'est-ce que Draymond Green a fait? Lui là pour de vrai. Yo, même en contexte, j'ai pas de temps. Il needs gel. Yo, le partner a choke hold. Rudy Gobert des Timberwolves qui est en train de séparer les deux qui se battaient. Non. Okay, vas-y, Kevin, raconte. Tell us. C'est arrivé, effectivement, Draymond Green avec l'autre panneque, j'ai oublié son nom, ils se sont tiraillés. Après, si tu le regardes d'un bon angle, tu vois que Rudy Gobert y est venu, puis pas par exprès, mais il avait sa main comme sur le cou de Draymond. For half a second, uh-huh. Une demi-seconde. Pas Draymond Green, sur Klay Thompson, excuse. Après ça, Draymond, qui est arrivé en gang, ce qu'il a fait initialement, c'était correct. Ce qui n'était pas correct, c'est quand il a continué à traîner le patiné en le tenant par la gorge comme avec si, un gros sourire, comme s'il voulait ça. L'exécuter. That's kind of racist, because he's a little dark skin. Puis juste à cause qu'il monte ses dents, on pense qu'il sourit. Il n'était pas en train de sourire. Non, Draymond souriait. Lui, tous ses actes de violence, ses molaires sont dehors. Il a exagéré l'affaire, là. Oui, parce qu'il traînait, il a tiré. En même temps, il choque. Si tu regardes comme il faut. Rudy Gobert, c'est comme Gobert, whatever. Gobert, ouais. C'est pas comme si he was a little comme flopping. Mais en même temps, Draymond imbécile, t'es pas dans un bail de UFC, qu'est-ce que t'es en train de traîner le patinet dans la gorge. Ben non. Fait que non, mais c'est Draymond qui. Ils l'ont suspendu au moins. Ils l'ont éjecté de la game. Ils l'ont éjecté puis là ils sont en train de comme d'en discuter là. Discuter pour voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Ouais. Mais ce gars-là, il fait toujours des affaires messed up, fait que. Il a un problème. Ouais. Je dirais pas qu'il y a un problème. Comme non, tu... il y a un problème. Tu sais, quand tu y penses, lui est le seul joueur dans son équipe qui joue le rôle de... Enforcer. Ils sont tous petits. He's the only guy they have. Fait que peut-être que c'est exagéré, oui, mais ouais, pas mais pour excuser. Ça, après, il pénalise l'équipe. Oui, effectivement. Mm-hmm. Mais en même temps... C'est pas dans la série l'année passée qu'il avait tenté comme ça encore? Ouais, mais à chaque année. À chaque game, il y a quelque chose avec lui. Écoute, on entend parler de lui, constamment, puis quand il va venir, lui a définitivement un impact dans l'équipe. Mm. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, comme j'ai vu que Stephen Curry est blessé ou quoi. Je sais qu'il jouait pas cette game-là. Là. Mais je sais pas si c'est... En fait, Rudy Gobert, il a dit ça. By the way, pour ceux qui ne savent pas, Rudy Gobert, c'est un Français. C'était grâce à lui que tout le monde était malade. Là. Ouais. Ah oui, la COVID, c'est ça? Bon, peut-être pas grâce à lui, mais ça, c'est vraiment drôle, le hate qu'ils ont mis sur lui. Parce que quand il, comme au début de la COVID, que lui... Il prenait pas ça au sérieux, puis comme il avait comme toussé, il a fait exprès à tousser sur les mics, puis à toucher et tout. Puis là, next thing you know, tout le monde est tombé malade. Non, en fait, c'est pas que tout le monde est... Non, c'est pas ça. Son équipe. Il a fait semblant de tousser la journée après, ou deux jours après. Lui c'est et l'autre était malade. Comment ça s'appelle? Ah oui, attends. Qui est avec les Cavs, là. Je pense, c'est pas ça. Il y a eu le shutdown. Mais ce chose était malade aussi. Le gars qui est avec les Cavs maintenant, comment il s'appelle? Celui qui est avec Utah Jazz. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Non, il est tout frustré, là. Mais je pense pas qu'ils ont été malades tout de suite après. Il a fait semblant de tousser. Je pense qu'il y a eu le shutdown. Ouais. Il y a eu le shutdown. Puis après ça, eux autres sont juste tombés malades durant le play-in, durant le play-off. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils soient champions. Ben oui, whatever. C'est parce que les gens étaient sensibles, on sait tous, là. Tu comprends? Comme, get that vaccine, people. Don't go back there. You would know a thing or two about sensitive people. OK, guys. So, moi et Gabby, on a été au cinéma. Pause. Et puis... Il est vraiment imbécile. Non, mais c'est beau, vous allez toujours au cinéma ensemble. Oh my God. Mais c'est une belle... Une poudrette? Non. Mais tu veux-tu expliquer? Quand tu dis non mots, c'est encore plus au mot que pas dire de rien. Tu fais juste rien dire. Je suis au cinéma avec mon partner. OK, vous avez été au cinéma. J'ai aimé aller au cinéma à midi. C'était nice.
c'est nice, aller au cinéma à midi. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est très chaud. Puis, mais est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que le bread que tu voulais nous faire dépenser initialement? Ah, pour aller au VIP? Non, elle allait me faire aller au centre-ville pour aller regarder ce Tintin-là, dans un bail VIP, comme gros bread, genre, je pense mais j'ai déjà été là-dedans. $23, $26. Non, mais c'est rien, c'est là que t'achètes, puis t'achètes de quoi? J'ai déjà été, c'est nice, though. Oui, je dis pas que c'est pas nice, mais t'aimerais pour un film que ça vaut la peine. Oui, oui, clair. Tu vas là-bas, stationnement, tu payes ça, tu t'achètes un petit quelque chose qui va coûter le même prix que le billet, tu sors de là avec une dépense de comme 60$. Ah, moi, ça m'a coûté pour 900$, là, j'avais été là. Ouais, non, mais c'est une expérience. Aller au VIP, c'est une expérience. Pour de vrai, je l'aurais fait. Mais comme il a dit, pour un film qui vaut la peine. Mais moi, j'aurais été pour Endgame. Le film était bon. Miss Marvel. Non, The Marvels. Let's get into it. The Marvels était bon. Oui, c'était bon. Dans quelle langue c'était bon? OK. Et moi, je veux voir le film en plus. Les gars sont en train de dire que ce n'est pas bon. Non, c'est bon. Mais je vais faire confiance à vous. C'est bon à la maison. Tu vas aller voir The Marvels? À la maison. OK, good. Moi, je les stream. J'attends que ce soit le Netflix. Moi, non, c'est certain. Moi, je les stream. Non, c'est ça qu'on va se passer. Honnêtement, I'm sure she found a way. I'm sure she found a legal way to stream it. Si Bob Iger, si Bob Iger nous écoute, Disney, I just want him to know. Elle connaît quelqu'un qui a travaillé sur le film. Oui, c'est ça. Right? Yeah. C'est ça qu'elle voulait. Mais dis pas qui. Dis pas qui. In your house. Yeah. En tout cas. On that note, je suis anyway. C'est clair. Ok, non, généralement tous les films de Marvel, je vais les voir au cinéma. Oui. Généralement le jeudi en avant-première. Parce que moi, j'ai pas le temps d'aller. Même chose pour nous ici. Ouais, qu'on est je vais toujours en avant-première, mais quand j'ai vu de Marvel le trailer, j'étais comme c'est impossible. Mm. Comme pour moi, c'est impossible. Vas-y, mais attends. C'est pas senti comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça quand t'as vu le trailer? C'est quoi dans le trailer? Puis je suis d'accord avec toi, les trailers étaient pas bons. Mais à part le fait que le trailer était mal fait, c'est quoi les indicatifs du trailer qui disaient que... Ben, en fait, c'est que... Premièrement, moi, j'ai trouvé le trailer chaotique. Mm. Fait que ça commence ici, ça pousse là, ça va à l'autre bord, ça va à gauche pour revenir sur un chat. Ouais. Fait que je comprenais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de faire. Ouais. Mais je me suis dit, c'est quoi, on est déjà ils sont dans leur saison de flop, anyways, après le Endgame. Ouais. Fait que le Endgame... Moi, personnellement, je pense qu'ils auraient dû finir avec le Endgame. Finir tout. Comme ça aurait été gangster. On a fait yo, le Endgame, chills. Tout le monde est wouh! Okay. On fait plus d'argent. Puis, non, c'est pas qu'on fait plus d'argent. Après ça, ils prennent un break. OK. Okay. Le temps de bien faire. Parce que le Endgame, la barre est là, là. Ouais. La barre est là. Mais après le Endgame, je sais qu'il y a eu Infinity War, puis tout de suite après, il y a eu Endgame. Endgame, c'est la finition de tout de ce tout, arc-là. De toute cette phase-là, c'est la phase terminée avec le Endgame. Fait que de Iron Man 1 jusqu'au Endgame, c'était constant. C'était comme péter un film. Mais ils ont terminé en beauté avec Endgame. Oui, je suis d'accord. Tout ce qui est venu après Endgame... J'ai dit, mais pourquoi? Guardians of the Galaxy. OK, mais attends. Guardians of the Galaxy, c'était bon. OK, WandaVision. Comment? C'était pas bon? C'était quelque chose. Mais OK, bon, on va rester sur The Marvels, mais après ça, on reviendra. OK, fait que je comprends. Fait que j'ai regardé The Marvels. Mm-hmm. Ça avait bien commencé parce que j'étais comme, oh, OK, tu sais, l'échange de pouvoir entre les Marvels. C'est quand même intéressant. Mm-hmm. Arrivé à la vilaine, que moi, je n'ai pas trouvé que c'était une vilaine. Comme elle ne m'a pas marqué. Mais est-ce que tu dois être une vilaine traditionnelle pour être... Non, mais je veux que tu sois un vilain. Elle me faisait penser à Killmonger un peu. Là. Elle avait les mêmes motifs dans le sens. Elle me faisait penser un peu à la femme dans la série de Captain America avec le négro. Ouais. C'est genre comme... Je suis pas vraiment méchant, mais c'est comme politiquement parlant, ma position est opposée à la tienne. Right. Mais elle n'était pas mémorable. C'est ça que je veux dire. Non. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Elle est meilleure que le méchant que Christian Bale a joué dans Thor. Il fallait qu'il dise. C'est vrai. Écoute. Yo, le patin était blanc. Le patin était blanc, puis un peu plus, il s'efface de ta mémoire, tu comprends? Tu comprends le pas? Premièrement, disrespect pas Christian Bale. Oh yo, okay. Listen, Christian Bale is one of the best Batman. Non, mais celui-là, pour de vrai, j'étais un peu déçu. Parce que Christian Bale. C'était un gaspillage. Ils ont gaspillé. Le film au complet est un gaspillage. Non, mais le fait qu'ils ont gaspillé ce personnage-là. Non, parce ils l'ont très gaspillé. Une des meilleures parties du film, c'était qu'on voyait lui. Regarde, partons de cette base-là, OK? Mm-hmm.
après un game, fait qu'on est, c'est quoi, c'est phase 5, whatever, je ne sais même plus comment il l'appelle, whatever. Ils sont rendus à la phase 5. Ben okay. Là, ils commencent la phase 6. Là. OK, c'est ça. Fait que, toutes les phases sont senties. En ordre de, juste les films, on ne va pas parler des téléséries, OK? Juste les films, mêlés en ordre de préférence. Puis on va, de ce baromètre-là, on va pouvoir mieux converser. Okay, je vais sortir la liste parce que je ne me souviens pas de toute la liste. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi, c'est Shang-Chi? Je vais commencer, non, OK? Non, je lis ici la liste. Je vais commencer, OK? Vas-y. Shang-Chi, en premier. C'est ton premier, ça? Mon premier. De... OK, de la dernière phase. Oui, de la dernière phase. Oh! Ouais, de la dernière OK, phase, parce que j'étais comme mon gars, on va se battre. Mais il était quand même bon, là. Il était quand même bon. C'était le premier film, anyway, right? Oui, c'est le premier, oui. Was it? Ah oui, je pense que oui, ouais. OK, parfait. Non, il était bon. Ensuite, était bon, ouais. Je mets Black Panther. Moi, j'aurais mis Guardians of the Galaxy. C'est comment? Wakanda Forever? Mais j'étais un peu déçu, donc. On peut en parler. Je parle du premier, là, parce que le deuxième, tu le blastes. Non, non, on parle du... Le premier. Non, lui, il a blasté le deuxième. Lui, a blasté le premier. Okay. Non, on parle de la dernière phase. Le deuxième qui était bon. On parle de la deuxième. Ben oui. Lui, il a blasté le premier. On parle de la deuxième phase, après Endgame. Lui avait blasté le premier parce qu'on ne voyait pas comme le Costco à Wakanda. Non, mais le deuxième, mais si je me souviens bien, il avait blasté. Non, c'est le premier. Le premier, j'avais blasté. Le deuxième, j'ai adoré le deuxième par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait dans les circonstances de comment que qu'est-ce qui est arrivé. Pour moi, c'était un masterpiece. Comment les Mexicains nous ont renflé là. Ouais, mais je c'est pas vrai. Les poils nous ont ouverts. Okay. Jusqu'à la fin. Okay. Donc, c'est à la fin qu'on a trouvé une solution. Ensuite, après, tu peux mettre c'était quoi les autres? Tu peux mettre No Way Home que j'ai détesté pour de vrai. Jeez, wow. No Way Home n'était pas bon. Come on. C'est pas, après de, ça, c'est pas le greatest. Doctor Strange, mais Doctor Strange 2. Non, c'est pas vrai. Doctor Strange 2, c'est seulement les 15 premières minutes du film qui sont fraîches. Après ça, le reste du film, c'est un total shit show. Comme t'as même pas envie de revoir ce fucking film-là. Fait après ça. Moi, je l'ai revu, mais c'est chill. OK. Puis t'es vraiment con, Gaby, mais toi, on sait tous que tes goûts sont pas bons. Et puis ouais, après ça, après ça, c'est quoi les autres? C'est quoi les autres? Fait qu'après ça, t'as Thor, qui était pas bon. Non, Thor, c'était pas bon. OK. Mais le Chris a dit comme ça que... Parce que le 5... Non, mais attends une seconde. J'ai une question. Non, Thor, ils ont jamais... Ils ont même pas encore mentionné Guardians of the Galaxy, que pour moi, c'est le premier soir. Ah, Guardians, si je mets... Regarde. Fait qu'avec Miss Marvel, pour moi, c'est Shang-Chi, Wakanda Forever, Miss Marvel, puis Guardians of the Galaxy, puis après ça, tu mets toutes les autres. On change de sujet. OK. On ne peut pas changer de sujet. Non. C'est un des sujets. C'est la raison pourquoi elle est là. Non, okay, tu vas devoir souffrir. C'est quoi tu peux parler? Vas-y. Mais... Parle avec le pote. Parce que j'essaie de comprendre ton ordre. Vas-y. OK, Senchi, je suis d'accord avec toi. Tu ouais. Peux penser à Steven A qui essaie de parler de football. Mais t'es con. T'es vraiment con. Oh, wow. T'es vraiment con. OK, ça, je suis d'accord avec toi. Guardians of the Galaxy, c'était bon. Oui? Ça a été très constant. Le dernier, il y avait des petites failles, mais ça passe. Après ça, il y a eu... C'est quoi l'autre? Wakanda Forever. Shang-Chi, Wakanda. Ouais, Wakanda, j'ai aimé l'introduction, ben comme le début, c'était nice. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont mélangé genre trois histoires en même temps. Fait que moi, j'étais un peu confuse. Puis j'ai pas aimé ça non plus. J'ai été confuse du fait qu'ils ont mélangé trois. Puis il y a une partie vraiment importante dans Black Panther qui n'a pas été respectée, qui dérange l'ordre. Fait que c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que quand ils vont faire le 3, je me demande comment ils vont faire ça. Parce que Black Panther, son premier enfant est avec Storm. Oui. Fait que là, maintenant, puis il y a eu un autre enfant avec Nikia, effectivement. Ouais. Mais là, ils veulent rentrer Storm, mais tu vas rentrer Storm comment si tu as rentré l'enfant de Nikia qui est arrivé? Peut-être que c'est Black Panther Junior qui va... Guys. Peut-être c'est son fils qui va faire un enfant avec Storm. Tout de suite là-dessus. Ils vont juste changer le... Non. Le MCU, c'est leur propre affaire. Ils font ce qu'ils veulent. Comme ils veulent. Oui, mais c'est quand même basé. Le tout. Non, mais Gaby, regarde X-Men, comment ils sont en introduction. Even the Mutants, l'histoire de avec Miss Marvel, puis qu'ils ont dit, ah, finalement, c'est un mutant. She was never a mutant before. She was never. Fait qu'ils ont tout changé. Le MCU. Oh, for real? Le MCU, c'est sa propre affaire. How did she get her powers d'abord? Le MCU, ça a toujours été sa propre affaire. Mais Kamala Khan, how did she get her powers? Avec le Bengal. Ouais. Non, mais dans les comics, je pense. Is she like an inhuman? Je pensais qu'elle était un inhuman. Et regarde, peu importe comment. Peu importe comment, c'est à part. C'est juste à part. OK. So, mon point dans tout ça, c'est que je suis d'accord avec toi, comme par rapport à Wakanda Forever, ils ont changé peut-être certaines affaires, mais je suis désolé de fact. Puis moi, j'ai détesté le hate qu'ils ont fait sur ça. Une chose que je voulais te demander, puis peut-être c'est ce que tu t'en allais. Excuse-moi si je t'ai coupé. Mais pour Wakanda Forever, est-ce que tu donnes une certaine grâce par rapport au fait que justement, ils se sont retrouvés dans une position où ils ont perdu leur lead actor et qu'il fallait qu'ils se débrouillent
à créer une histoire autour de ça. Qui était complètement changé, à l'extérieur. Complètement à l'extérieur de tout ce que nous, on connaît dans les comics. Le film aurait pas été comme ça. Non, parce que justement, c'est quand il est mort, ils ont tout changé le script. Parce que le script était déjà prêt. Oui, effectivement. Oui. Le script était déjà prêt. Mais par rapport aux éléments, comme tu disais, comme s'il y avait trois histoires qui se passent en même temps. OK, parce que l'affaire, c'est que Namor est censé se battre avec Black Panther. Right. Yep. Black Panther se fait tuer par Namor. Right. Là, Shuri prend le trône à sa place. Right. Et elle va venger la mort de son frère par Namor. Fait que dans le fond, elle est censée tuer Namor pour se venger. Mais là, ce que ça donne, c'est qu'elle se bat avec Namor. Fait que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'ils n'auraient pas juste pu enlever l'histoire de Namor puis introduire le fils et que c'est le fils qui se bat avec Namor juste pour contourner le monde se plaint anyways. Mais là où ce que je suis d'accord avec toi, sauf que la façon que moi je le vois, c'est que tu sais, moi il y a plein de façons que tu sais, même si j'ai adoré Infinity War puis j'ai adoré Endgame puis tout ça, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, right? Malheureusement we're not getting that salary, tu comprends? Puis les autres, ils prennent ces décisions là. Moi, je regarde qu'est-ce qu'ils ont mis devant moi. Basé sur qu'est-ce qu'ils ont mis devant moi, là, le produit fini, moi, je pense qu'ils ont fait une bonne job. Comme, ouais. J'aurais enlevé William, j'aurais pas mis dedans. Moi, j'aurais pas mis dedans. Mais en plus, ils l'ont mis pour rien parce qu'ils ont cancellé son show après. Sa télésérie, parce qu'elle, c'était l'introduction. Ouais, pour Aaron Hart. Oh. Ouais. Fait, ils l'ont enlevé. Fait que dans le fond, au final, elle sert à rien dans le film. Mais regarde, il y a beaucoup de choses comme ça. Regarde, les rumeurs, c'est que Kang, c'est fini, là. Les rumeurs, c'est que Kang, parce que là, ils avaient Kang Dynasty qui allait sortir. Il y a des rumeurs, mais ça va être Doctor Doom, puis whatever. Ouais, ils veulent le changer pour Doctor Doom, mais l'affaire, c'est que c'est très touchy, parce que s'ils font ça, puis que finalement, Jonathan Mayer est pas... Ça va faire la même chose que Johnny Depp, tu comprends? Ouais, sauf que eux autres, Disney, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, on est même plus down avec le personnage, peu importe qu'est-ce qui arrive avec son case. Puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, parce que dans Ant-Man 3, ah ben ça, c'est un autre film qu'on avait oublié. Ant-Man 3. Oui, Kang dans Ant-Man 3, la façon que... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toléré, dont moi, que Ant-Man, à bras ouverts, a réussi à se battre contre Kang puis a gagné à la fin du film. Right? Mais de toute façon, Ant-Man 3, c'est copier-coller de Young Spice. Pardon? Tu sais, le film, là, les Spice, les enfants qui sont comme des... C'est copier-coller. Le poster est pareil, les couleurs sont pareilles, les scènes sont pareilles. Okay, allez voir. OK, mais ça c'est un conspiracy theory. Non. Ils ont mis les scènes du film. Tellement, mais moi, j'ai été voir The Spice. Tu sais, les enfants qui sont... Oui, voir le film. J'ai dit, OK, tu sais, je sais qu'Internet, des fois, they try to trick us and everything. J'ai été voir le film et c'est exactement copié-collé. C'est dégueulasse. Quand tu dis que tu as été voir, comme tu parles de cinéma ou tu parles de... OK, comment je... Stream? Non, j'étais... Ben, de toute façon, The Spice, c'est sur Disney, anyways. Ouais. De toute façon, Disney, c'est sont du genre à prendre ce qu'ils ont déjà fait pour le mettre dans un autre film. Ils changent la couleur pour faire comme Disney, si on n'a pas ouais, vu. Ouais, si c'est Disney, mais, it might make sense. It might make sense. Ils recyclent beaucoup. Ouais, qu'ils ont recyclé un narrative, puis avec des scènes, puis... Est-ce que je l'ai vu, cette affaire? Whatever. Mais all of this to say... Kang, qui est joué par Jonathan Majors, que j'ai trouvé vraiment fraîche dans Quantumania, il était vraiment fraîche, jusqu'à temps que il se fasse battre par Ant-Man dans un fist. Bah, ça n'a aucun rapport. Yo, Jonathan Majors est quatre fois plus gros que l'autre partner. Yo, c'était ridicule. Non, c'est les enfants, mais je te le donne, je te montre. Puis, c'est pas Spy Kids? Spy Kids, c'est ça. Ah, Spy Kids. Ouais. So, anyways. Ah, je pense que je l'ai vu, lui. Fait que, all of this to say, revenons à The Marvels, OK? Je veux pas qu'on sorte de ça. Moi... Je l'ai vu, ce film-là. C'est caca. La façon que moi, je le vois, c'est... Voici mes commentaires pour Miss Marvel. Puis, encore une fois, je conseille à tout le monde d'aller voir parce que je trouve que c'est le meilleur film de Marvel depuis... longtemps. Lequel? Depuis... Miss Marvel, celui qu'on a vu. The Marvel. Gabi n'est pas d'accord. Non, écoute. Non, je t'écoute, bro. Les scènes d'action étaient fraîches. Les scènes d'action étaient très bien faites. Dans quel angle? Dans tous les angles, c'était bien fait. Okay. Quand il faisait les tag teams, c'était nice. Tout ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'ils ne prennent pas attention au fait qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté la série Miss Marvel. La série sur Disney Plus, là? Oui, je l'ai écouté, bien sûr. Non, je sais. Moi, j'ai pas écouté, je vais être perdu quand je regardais le film. C'est pas que tu vas être perdu, c'est juste qu'il te présente une nouvelle fille, une jeune, elle a un bail dans ses mains, puis elle a des pouvoirs.
puis elle vit à New Jersey, puis c'est une Indienne. Mais il y a tout un contexte. Ils auraient dû mettre une petite scène à l'école avec ses amis pour montrer un peu la dynamique, pour montrer la personnalité. Exactement. Je trouve qu'ils n'ont pas eu assez confiance. C'est meilleur que le plus récent film. C'est meilleur que Guardians of the Galaxy. Oui. Oui, question. Claire. Attends. The Marvels est meilleur que Guardians of the Galaxy? Non. Ok, c'est non, ça, non, d'accord. C'est ça que je viens de dire. Non, Galaxy est meilleur que. Non, moi, je pense pas ça. Moi, je pense que Galaxy est moins bon. J'ai une question. Mais t'es est-ce que tu l'as bien, est-ce que tu l'as bien vu? On va pas rentrer dans les détails. Because it's going to make you look like a bad father. On va pas rentrer dans les détails du contexte de quand on était au cinéma. Rentrer dans les détails, parce que moi, je comprends pourquoi. J'ai fait une gaffe. C'est correct, Gaby. Est-ce que ça a affecté. J'ai fait une gaffe. J'ai emmené mes enfants au cinéma pour voir ce film. Ok. J'ai fait une gaffe. Mais d'enfant, t'as aimé à cause que tes enfants aiment. Non, parce que lui. Non. Moi, c'est ma question. On parle de Guardian Galaxy. Guardian Galaxy, il dit que j'ai pas bien écouté le film. Parce que je devais m'occuper de mes enfants, parce que j'ai fait une gaffe. Alors, est-ce que, parce à cause de ça. Ok, mais dans ce cas-là. Est-ce que tu as vraiment regardé le film? Non. C'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu as regardé le film? Oui, j'ai regardé le film. Sérieusement. Ok, mais il y a regardé et écouté le film, c'est deux choses. Ça makes no sense. Que non, tu peux pas dire que Guardian of Galaxy. Est-ce que tu l'as revu le film? J'ai pas revu. Va le revoir, s'il te plaît. I think we're gonna do that. Puis on va refaire juste ce segment-là. Parce que là, maintenant, j'ai honte. Là, j'ai vraiment. Non, j'ai honte. Non, parce que tu vas me dire que Marvel est meilleur que Guardians of the Galaxy. Pour moi, Guardians of the Galaxy, c'est le meilleur film de cette nouvelle génération. En plus génération, de ça, de loin. The Marvel avait un musical qui n'avait aucun rapport. Oui! C'est vrai, on va le revoir. Oh mon dieu. Parce que moi, j'ai trouvé trash. We're skipping next episode. Ils sont perdus dans votre conversation. Okay. Oh, j'ai vu deux films là-dedans. On va. Anyways, présentement, il y a une polémique en ligne par rapport à The Marvels. Fait que je vais expliquer aux gens qui ne sont pas au courant. Fait que le premier Captain Marvel qui est sorti il y a comme quasiment déjà, my God, 6 ans maintenant, quasiment 5 ans. Il y a eu une polémique par rapport à ça. Parce que dans le fond, les gens disaient que c'était un film qui était woke. À cause que c'était la première héroïne, la première femme héros Marvel. Puis là, genre, toutes les féministes se sont mis ensemble pour aller voir le film. Le film a fait $1 milliard au box-office. Et puis, mais sauf que les gens n'aimaient pas le casting de Brie Larson. Ah oui, avec sa figure de glace, là, bien sûr, j'ai pas aimé, moi. Les gens n'ont pas aimé. Elle est triste, elle a la même face, elle est fâchée, elle a la même phrase. Elle saute dans le. Tu sais, comme elle s'envole, elle a la même face. Comme ses cheveux ont plus d'émotion qu'elle, genre. À la fin de la journée. Bien décrit, ok. Puis, comme, aucune émotion, aucune chimie avec les autres. Il y avait. Il y a beaucoup de personnes qui avaient du beef avec ce film-là. Fait qu'il y a eu un genre de boycott, même si clairement le film avait fait de l'argent. Il y avait eu un genre de boycott dans l'industrie, dans le monde du cinéma, dans les fans, que les gens étaient comme Disney est rendu trop woke, blablabla. Puis c'est peu de temps après ça que tu as commencé à voir des scènes dans Marvel qui étaient un peu louches. Exemple, Avengers Endgame, gros fight, whatever, tout ça. Puis au milieu du chaos, des explosions, toutes les femmes qui viennent ensemble, qui regardent la caméra, puis qui font. Oui! Justement, ok. Prenez comme une pause photo là. Oui. Cover Girl. Mais des fois, elles veulent trop faire. Bro. Cette scène-là n'était pas nécessaire. C'est trop bizarre, mais quelque chose que tu vois jamais. T'es pas le fan fini de Marvel, ok? Mais Captain Marvel. Ah, j'en ai vu plein quand même. Okay. Captain Marvel, elle est comme. Ah, le mic, ok, sorry. Thanks, Alex. Captain Marvel, elle est next to God là. Au niveau de ses pouvoirs quasiment là, ok? Fait qu'elle arrive. Et puis, comme elle atterrit, parce qu'elle vole, elle atterrit, il y a des méchants avant d'elle. Mais par coïncidence. Il y a 4 autres héroïnes femmes. Non, toutes les femmes. Puis ils sont comme. Héroïnes sont 4. Puis c'est ça, puis là, ils sont comme. Oh, we got your back. Whatever, qu'est-ce qu'ils ont dit dans whatever de ça. Elle peut vous caler, comme elle n'a pas besoin de vous traiter. Vous êtes des punaises. Fait que mon point, c'est que c'est ça. Fait que peu après, ils ont commencé à mettre des petites scènes comme ça. Fait que les fans n'étaient pas contents. Mais cette scène-là, en fait, c'était pour promouvoir les nouvelles héroïnes qui allaient venir. Supposément, malgré que tout c'était cancellé après. Là. Ouais, c'est ça. C'était juste pour montrer que dans la prochaine phase, chacune aura soit leur série ou leur film ou ils feront partie de leur film. Mais elles ont tous été. Mais ils auraient pu le faire d'une autre manière. T'es pas obligé de faire cette scène-là pour. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. Eux autres, ils ont fait ça, mais moi, je leur aurais dit, don't do that. C'est comme. Mais j'imagine là, que les gens qui sont derrière ces films-là, c'est des fanatiques comme vous aussi. Non. Pas nécessairement. Nope. Non. C'est comme si tu dirais que les personnes qui font des jeux vidéo, c'est des fans de jeux vidéo. Des personnes, c'est juste des gens qui
qui aiment ça animer, là. Des affaires sur les ordinateurs. La personne qui vient avec l'idée en arrière doit être quelqu'un qui est fanatique. Nope. Tu peux connaître. Non, pas nécessairement. Okay. Il y en a qui vont lire les comics la journée même. Ceux qui prennent les décisions, sur le contrat, c'est pas nécessairement. C'est pour ça que les gens sont excités par rapport à James Gunn, qui est justement celui, le directeur de... De Guardian of the Galaxy. Mm-hmm. Excellent film. Qui est considéré comme les films dans l'univers de Marvel, qui est considéré comme... Le plus accurate. Un des meilleurs. Ben, je vais pas dire meilleur. Un des meilleurs. Un des plus accurate. Écoute, on peut arguer... Les plus originales on peut, au niveau directing. On peut mettre l'argument que, tu vois, on parle de Iron Man, que comment que c'est Iron Man qui a vraiment parti la balle sur tout ça. Ça, j'ai aimé, tu vois. La comédie dedans et tout ça. Non, ouais. Et Iron Man, on s'entend qu'on était plus jeune, on parlait jamais d'Iron Man. Mm-hmm. On parlait de Spider-Man, on parlait des X-Men. Mm-hmm. Fait que, littéralement, d'avoir pris un personnage connu, mais qu'on s'en foutait, puis c'est vraiment lui avec Robert Downey Jr., puis la production et tout, c'était incroyable. Guardians of the Galaxy, je te dirais, était beaucoup moins populaire qu'Iron Man. Oui, 100%. Et puis regarde maintenant, tout le monde sait c'est qui les Guardians of the Galaxy. Oui, puis c'est un groupe freak par rapport dans l'espace. C'est surtout à cause du fait que c'est y a un aspect aussi qui est, encore une fois, l'aspect que James Gunn y a amené l'humanité dans cette clique-là. Mm-hmm. Je suis d'accord. Moi, je le trouvais original, mais moi, malheureusement, dans mon top MCU movies, malheureusement, Guardians of the Galaxy, ils sont tous en bas. Top 5, top 10? Dans mon top de toute MCU. Sur les 32 films? Sur les 32 films, comme... T'as tous les pourris, là. T'as tous les Doctor Strange 2, t'as tout le Thor, tout ça, comme whatever. Puis après ça, une fois que j'ai fini toute cette merde-là, là, je mets les Guardians of the Galaxy. Je les ai pas enjoy. I'm sorry, guys. Je les ai pas enjoy du tout. Mais je comprends. T'es un loser. Mais mon point, c'est que... ça pour dire que, dans le fond, ils sont revenus avec cette polémique-là avec le film de Marvels, qui est, sur papier, la suite de Captain Marvel, dans un sens. Ils ont juste décidé de rajouter deux autres filles dedans, que leurs pouvoirs sont similaires à celles de Captain Marvel. Ou c'est un dérivé. Fait qu'ils ont fait une histoire en lien à ça. Mais là, le woke mob est venu pour eux. Ils sont comme, oui, trois filles dans un film, c'est pour du wokeness, whatever. Ouais. Non, les trois personnages, les trois personnages sont basés sur trois vrais personnages du comic book qui existait avant. Ils sont liés. Ça même pas rapport. Fait que moi, je suis là pour dire que les personnes si vous avez entendu ces commentaires-là, puis que vous voulez voir le film pour vous, allez-y, parce que le film, pour de vrai, n'est pas... Don't stream it. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour faire ces films-là, de supporter une industrie. Tu comprends? Faites pas comme elle. Faites comme elle qui a des connexions. Oui, c'est ça, des connexions. Non, je le fais. Pour de vrai, j'ai donné mon argent dans les 32 films, OK? Mais 31 films, OK? Attends, on se voit à 32 avec lui? 32 avec lui, il y a un 33e qui sort là. Ok, c'est bon. Le prochain, c'est Shang-Chi 2. Cette année? Non, c'est pas cette année. Le prochain, ça va être. Miss Webb. Captain America. Non, t'as Deadpool. X-Men, Deadpool. Ensuite, t'as Captain America devait être. T'as Fantastic Four. Et Miss Webb sort avant Fantastic Four parce que Fantastic Four a été poussé. Miss Webb compte pas. Miss Webb, ça va être. Ça va être un bail Venom. Mais de toute façon, l'année prochaine, c'est seulement un film qui sort. Parce qu'ils ont tout décalé pour 2020. Bon, d'abord, c'est Deadpool. C'est sûrement à cause de la grève qui est arrivée dans le moment. Anyways, tout ça pour dire que je savais pas à quoi m'attendre d'en avoir ce film-là. Puis moi, j'ai été vraiment pleased. Il y a une scène en particulier quand ils arrivent sur la planète. Là. Ça, on a ri tous les deux comme vraiment. Quand ils chantent. Ça, c'était... Je ne m'attendais pas à ça. Je trouvais que c'était... Ils l'ont mis au bon endroit. Écoute, moi, je pense que c'était une bonne idée d'avoir ajouté les deux filles parce que elle... Captain Marvel tout seul. Je suis d'accord. Comme plate, là. Je suis d'accord. I agree. Ça paraît... Je vais regarder, c'est certain. Bref, moi, j'ai aimé. Je donne un 7 sur 10. Écoute... Toi, tu donnes combien? Moi, j'avais donné 1.5 sur 5. 1.5 sur 5. Ça, c'est comme toi. Mais le 1.5, c'est genre Samuel L. Jackson. Et même là, il n'a pas réussi à porter le film sur son Non, moi, je lui peut-être sur une épaule, mais... Mais est-ce que tu n'as pas aimé parce que tu es une fanatique de Marvel? Si tu te mets dans la peau, qui n'est pas fanatique de Marvel ou quoi que ce soit, regarder le film, ouais. Un film pure entertainment, est-ce que c'est bon? Non. OK. Okay. Non, mais t'exagères, là. Non. OK. Parce que moi, là-bas, j'aime pas les
des films de Disney qui a trop de chansons, déjà à la base. Dès que tu chantes, moi, je me lève, je m'en vais aux toilettes. Okay, pour moi, c'est comme, Disney, pause, c'est comme une pause publicitaire pour moi, genre, attends, dès que tu commences à chanter. Mais induis pas les gens en erreur. Non, parce que tu parles de la section de musique dans ce film-là. Oui, là, juste la section. C'est pas toutes les non, les je comprends. Je comprends. Mais dans ce film-là, tu fais allusion à cette section-là du film dans le film. Oui, parce qu'elle danse, puis elle chante, puis tu dirais une marionnette là, parce que comme elle a pas de mouvement là, en fait, c'est comme. Mais ça faisait partie du plot. Ils ont fait exprès. I know, parce qu'elle est didn't like elle it. Stiff. Elle est stiff. Il y a pas d'émotion. But that's the idea. Fait, c'est comme elle chante, c'est comme. Non, mais ça faisait partie du plot. Listen, it is a no for me. Okay. Oh my God. I don't like this. C'est comme une femme, tu sais, quand t'harcèles une femme, là. Quand t'harcèles une femme pour sortir avec toi, là. Listen, it's a no for me. OK. I don't like this for me. Je te dis comment, Gabi, on sait pas c'est quoi, là. T'harcèles des femmes, là? Moi, je pense. Non, toi, il parle par expérience. Il parle comme si il sait de quoi qu'il parle. Moi, je sais pas de quoi qu'il parle. Moi, je sais pas de quoi qu'il parle. Ça, c'est comme si... Parce que je l'ai connu dans ces dark times. Oh, yeah, we all know what you're talking about. Non, nigga, non. I've never... Ah, bro. Non, mais pas stress. Yo, c'est ton cœur. Moi, je présume, c'est pas ce que tu veux dire. C'est pas ça que tu veux dire. C'est comme ce qu'on voit à la télé. Ça a été mal formulé. Comme ce qu'on voit à la télé, right? Ou ce que, comme t'as entendu parler. Yeah, non, mais il faut que ça, c'est ouais, quelque chose que je comprends. Yeah. Je faisais pas allusion à moi, j'ai parlé non. dans un sens général. Évidemment. De lorsque évidemment. Tu vois ce genre de scène. Ah, ok. C'est ce genre de contexte-là que tu vois quand la personne. T'as juste parlé vite, t'as parlé vite. Listen, it's a no for me. Yeah, yeah. yeah. That's it's it. It's a no Non, j'essaie de comprendre. C'est pas du PTSD, là. It wasn't PTSD. Non, mais ça m'a rappelé le. Ça m'a rappelé le. Aqua Teen. Tu connais Aqua Teen Hunger Force? Non. Ok, c'est une émission, c'est un milkshake, une frite. Ok, et, mais non, pas dans autre chose. Puis une boule de viande. C'est un dessin animé. Okay. Puis ils habitent à New Jersey. Écoute, et puis, c'est des gens troqués qui ont inventé cette émission. Tu sais que ces gens-là étaient high, super intrigués là. Puis le valet m'a fait regarder ce truc. Quand tu me dis que t'es busy avec le travail, je te crois pas. Non, dépose ton téléphone. Dépose ton téléphone. Non, c'est maintenant. Attends, elle sait pas c'est quoi, elle doit ouais, moi voir de quoi ça a l'air. Lequel tu as montré? Le celui le... avec les pigeons là? Non, t'es quoi? Le... Attends, mais comment tu sais? Mais je dis, regarde, il m'a forcé. I've seen the episode. Attends. Fait que c'est toi qui as été harcelé dans le fond? Ah, ouais. Maintenant, il y a eu beaucoup de pratique. Il y a eu beaucoup de pratique. Toi aussi, c'est moi, ça me fait douter. Là. Comment, pourquoi tu regardes ces affaires? C'est pas moi qui l'envoie. Il y a plein d'émissions. Il m'envoie. C'est lui qui m'envoie. Okay, je te le jure. C'est mal fait, c'est fait exprès. Okay. C'est mal fait, c'est exprès. Ok. Gibby va connaître. Excuse me, get out of my way. My name's Dan. Hey, mon nom là-bas. I won't leave until I make a sale. My God is a fine there, thanks. So, lui, c'est la mort. J'avais pas vu. Il lui vend des. Fait que là, la mort, elle a une job. La mort, elle vend des. Les gutters. Mais nobody knows why. La mort est rendue à vendre des gutters, right? Puis elle se promène dans le street déjà. Les gens sont coqués. Non, mais tu sais qu'est-ce qu'il me fait? Oh oui, je connais! Oui, je connais. Tu connais? Oui. Non, Martin, tu connais pas. Non. J'ai vu le milkshake parce oui. que je me souviens plus du nom. Oui. Mais le milkshake, je l'ai vu. Dès que j'ai vu, j'ai su exactement c'est quoi. Faut. Yo, j'ai honte. C'est pas c'est quoi un seafood world? J'ai honte. Mais tu oui, connais ça. Ah, mais tu sais, c'est okay. ça. J'ai ouais. honte non, à nos algorithmes sont pas pareils. Pas en tout. Yo, puis là, quand elle a fait la. Quand elle m'a coupé, puis elle a dit. Quand elle m'a coupé, sec, mais pas dit, it's a no for me. Ça m'a rappelé cette scène-là, cette émission-là, quand la mort est en train d'emmerder le patinet, puis le patinet, il se tombe et dit « Je vais pas acheter des estis de gutters !» Puis la mort fait « Oui, là, il est dead. » Mais bref, ça m'a juste fait tout de suite penser à ça. Dès que t'as fait ça, ça m'a fait penser à ça. Oui, guys, c'est là que ma tête est s'en va. Okay. This being said... C'est galère, man. C'est trash. Écoute, chose à finir avec le film. Moi, je vous dis, allez voir le film. Tu vas aller voir au cinéma? Non, mon cher. À cause de choses? Non, mais j'ai un stick, pourquoi? Oh, ok, t'avais jamais l'intention d'aller voir au cinéma. Non, mais non. Ces gens-là, ils comprennent pas le concept. Ils comprennent pas le concept de comme. Je vais le voir quand ça sera disponible à la maison. Ah, ok, oui, c'est ça que tu vas dire. Mais c'est déjà disponible sur le stick. Non. Ok, c'est bon. C'est déjà disponible. Tout est disponible sur le stick. Bro. Hey, mais attends, moi, je paye pour le stick. J'encourage quelqu'un à quelque part. Ah, c'est bon. J'encourage quelqu'un à quelque part. Je suis d'accord avec toi. Puis là, ça serait la scène dans le sitcom où tu vois le quelqu'un à quelque part. C'est ça qui arrive. C'est juste un gars dans ce. I swear to God. On se fait shut down, guys. Oh, wow. Moving on. Okay, moving on. Je n'encourage pas ça.
Guys, j'espère que vous avez aimé notre fake review de Marvel. Moi, je donne un 7 sur 10. Elle a donné 1.5 sur 5. 7. Je donne 7. Gibby donne 7 aussi. So, tu vois? So, ouais, mais IMDb a donné 5.4 sur 10. Oui, mais IMDb sont wack. Non. Rotten Tomatoes. Non, des fois. Rotten, mais Rotten c'est vrai Tomatoes. Il y a des films que moi j'aime puis ils donnent des vieux reviews. C'est ouais. Ça. C'est plus les films bon, de Black. John Q sur IMDb est à 5, je pense. Ben, ce film-là était terrible. Oh, terrible, terrible. Bon. Oui. Oui, mais ouais, ils ont donné 5 sur 10. Oui, mais ben, c'est. Quand j'ai dit mon commentaire, vous avez tout crié dessus, là. J'ai dit les films de Black, quand il y a trop de Black, ouais. La note est en bas de 6. OK. Parce que j'avais fait un post là-dessus. OK, j'aime parce que si je regarde beaucoup de films, puis. J'ai remarqué à un moment donné, comme tous les films de noir que je regardais, qui étaient fucking bons. Yeah. Ils avaient toutes comme 3, je regarde jamais 4, les reviews. Ouais. À IMDb, je regarde beaucoup ça, genre, le nom des acteurs. Mais personne ne se fait exactement. Je regarde jamais les reviews. Non, je les me dis pas, mais c'est juste... Ouais, ben, en fait, moi, je regarde les deux. Mais quand je fais mes posts sur Facebook sur les films, je vais toujours mettre IMDb, mm-hmm. parce que c'est ce qui est plus populaire. Mm-hmm. Les gens se fient quand même. Mais généralement, dans les derniers films ou séries que j'ai regardées, les notes était proche de qu'est-ce que moi j'avais yeah. Mais j'avais remarqué que tout ce qui est film de black, tout ça, où il y a trop de black dans mm-hmm. le movie, t'as déjà perdu 5 points. OK. Live, là. Fait comment dire, j'avais fait un post parce que je voulais voir si c'était juste moi. Fait j'ai envoyé les gens regarder des films spécifiques. Yeah. Puis effectivement, tout le monde avait donné des grosses notes. Puis c'était ça. C'était comme... Ouais. Puis on s'entend. 7.1, il dit que je me suis trompé. John Q, 7.1. Je suis désolé. Ce film-là mérite minimum un 8. Oh, facilement, facilement. Minimum. Easy, easy. Mais Men on Fire, ouais, Men on Fire, Rotten Tomatoes, Men on Fire, je pense que l'affaire est à 50%. Non, mais un exemple, les reviews, là, c'est comme même quand tu es en voyage, tu regardes TripAdvisor, tu regardes les gens qui se plaignent des fois, puis j'arrive en voyage comme... Tu comprends rien de ce qu'ils disent. Comment tu veux dire, c'est comme... À moins que tu aies une bad luck, à moins que tu aies une bad luck. TripAdvisor, je regarde juste les photos. Ouais, mais tu sais... Je regarde les photos des chambres, quand je saute sur TripAdvisor. Ça, je te dis, moi, les reviews en ligne, là, des choses, moi, je me fais ma propre review à moi, là, puis... Parce que les attentes d'une personne, c'est pas la même d'une autre. Ouais, mais des fois, la plupart du temps, les reviews, c'est parce que la personne qui a écrit le review a fait quelque chose, puis... Ça n'a pas donné ce qu'elle voulait. Mm-hmm. Fait qu'elle veut juste bâcher. Ah ouais, il y a du monde qui bâche pour rien. Il faut vraiment que tu fasses un overview partout, là. De qu'est-ce qu'il y a. Puis après ça, tu dis oui ou non si tu veux y aller. Genre. Anyways, fait que tout ça pour dire que... The Marvel, c'est trash. OK, ouais, continue. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Mais bref, this being said, il y avait la fin de Loki aussi, Gabby. Mm-hmm. Oh, c'est terrible. Toi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé rien de cette saison de Loki. J'ai pas été capable de rentrer dedans. I can understand why people like it. I don't understand why you don't. Sans trop rentrer dans les détails, tu donnes combien sur 10? Loki? Mm-hmm. Zéro. Comment c'est zéro? Pour moi, c'était a complete waste of money. Ils auraient dû donner cet argent-là aux enfants d'Afrique. Les gens inculent comme moi, là, c'est de quoi tu parles, man? Loki, c'est une télésérie. Loki, c'est le frère de Thor. Ouais, c'est ça, whatever. Tu donnes combien de plus? Ils ont fait la deuxième saison, pour moi, c'était un waste of time. Comme, j'ai compris pourquoi les gens ont aimé, parce qu'ils ont vraiment deep dive dans le personnage, mais sincèrement, pour moi, c'était un waste of time. Ça ne servait à rien. Tu l'écoutes pas, ça ne change rien dans ta vie. OK. Okay toi, parce que Loki commence la prochaine phase. Fait, dans le fond, c'est que le timeline s'est brisé. Ouais. Fait que le fait que ça s'est brisé, fait que toutes les autres histoires sont toutes mélangées. Fait que lui, il a juste rétabli le timeline. Ouais. En rétablissant le timeline, il devient lui-même le timeline. Effectivement, il est mort. Parce que c'est son dernier chose. Ouais. Fait que la prochaine phase qui va commencer de Secret War, c'est là où est-ce que c'est la continuité. Fait que dans le fond, c'est comme le début. Fait que dès que tu vas voir Secret War, peut-être que tu vas apprécier. Parce que des fois, on va regarder une série, on l'aime pas. Yeah. Mais dès que tu regardes la suite, t'es comme, t'es comme... It makes sense. Non, makes sense. Ouais. Fait que là, ta note va changer, ton va changer. Je trouvais qu'ils ont pris du temps pour arriver du point A au point B. Mais ce que tu dis... Ce que tu comme dis, les 6 épisodes, je trouvais ça long. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai que comme il y a peut-être beaucoup d'éléments là-dedans qui c'est juste comme... En préparation de ce qui s'en vient. Mais en même temps, il faut qu'ils viennent avec un produit que tu peux enjoy dans le maintenant, right? Comme, pour moi... Je suis d'accord avec lui dans le sens que j'ai eu le feeling qu'il y a des épisodes où ce que tu regardes l'épisode et même si je ne l'avais pas vu puis j'avais regardé un épisode plus loin, peut-être qu'il y a quelques petits trucs que je n'aurais pas compris, mais que je n'ai pas vraiment raté grand-chose. Comme une des scènes, spoiler, quand Loki à un moment donné, il prune une version de lui-même, il dit à la forme, je pense, tu vas comprendre plus tard. On n'a jamais compris. Moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi qu'il avait prune finalement? Moi, j'ai jamais compris. Peut-être qu'on va l'apprendre plus tard. Je pense que ça va être plus tard parce que ça fait partie de Secret War. Mais en même temps, c'est comme tu peux pas montrer une scène comme ça puis t'attendre que la personne qui suit, ben OK, il va regarder toutes les autres petites affaires après plus tard puis pour comprendre cette scène-là. Peut-être que ça va être une scène oubliée. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. T'as amateur et t'as des fans, non?
So, mais... les amateurs vont dire non, c'était pas bon, c'était pas si, j'ai pas compris, mais les amateurs, eux, ils savent pourquoi ce morceau-là. Non, pas envoyer une pointe. Non, 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 non. J'envoie une brique. Elle m'a, oui, mais... elle m'a pas traité d'amateur. Oui, mais c'est comme. Okay. Non, c'est pas vrai. Oui, mais... I kind of. Ok. Moi, j'ai compris. Là, l'affaire, c'est que, encore une fois, pour pas trop rentrer dans les spoilers et tout, la fin est quand même pas mal finale par rapport à comment, ce qui est arrivé avec Loki à la fin. Mm-hmm. Right? Alors, pour moi, la scène que quand il y a Prune, qui c'est Prune lui-même, va rien changer à la finale de la série. Ce qui est vraiment plus important, c'est comment que ça finit. Je m'en fous pas mal là pour la raison pour laquelle qui c'est Prune en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois pas, ok, peut-être qu'il y a une... Écoute, peut-être à cause de la grève, we'll never find out why in the hell he pruned himself in the first place. Je ne sais pas, right? C'est qu'est-ce qu'ils ont annulé qui était supposé de répondre à cette question-là. Mm-hmm. En tout cas, moi, personnellement, cette série-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'étaient pas nécessaires. Comme il y avait des épisodes où c'était comme, je l'ai regardé, puis il n'y a vraiment rien qui est arrivé. Right. Selon moi, right. Je ne suis pas quelqu'un que j'ai besoin que chaque épisode, que ce soit full action pack et tout, mais je veux qu'il y ait un but. Ouais. À chaque épisode. Ouais. Right? Comme tu dis qu'il y a un lien, à chaque épisode, il y a un link. Pour moi, production, moi je regarde toujours les éléments séparés et tout. Là, je ne veux pas juste dire qu'il n'y a pas de Wakanda, on n'a pas vu la ville, fait que zéro. Tu sais. Mais malgré qu'il n'y avait pas de Costco dans le timeline, je le donne un 7.8 parce que le casting, acting, production, c'est A1, puis l'histoire, il y avait des moments. Comme j'ai aimé l'élément qu'on a vu de He Who Remains, que you know, He Knew All Along, qui était vraiment fraîche. Que là, maintenant, ça laisse une idée de est-ce qu'il avait aussi prévu cette fin-là. On ne le sait pas, on va voir. Fait que non, moi, je vais te donner 7.8. Question de comme ça de rapport. Yep. 7.8, tu sors ça de où, man? Je sors ça de où? Non, mais 7.5, 8. Pourquoi 7.8? Pourquoi 0.8? Bon, c'est parce que je ne veux pas le donner. Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise à donner 80. Je ne veux pas donner à 80. Je ne pas donner à 80. On est des vrais critiques ici. Ouais, cette fois, non. 0.5, 0.3. Can't give it an 8. C'est Deloitte qui check. Tu veux savoir pourquoi? Qui check nos stats. Parce que quand mes parents voyaient 78 puis ils ne voyaient pas 80, je vous mens. C'était pas bon. Les autres, 78, c'est comme si tu avais 70. Bon, all right, guys. On va faire ça rapide. OK. Bon. So, on parle pas de vol à LA, on parle pas de buy PI magasin Tintin. Ni d'extraterrestre. On parle pas d'extraterrestre. OK, let's go. Ça, on a juste 3 jours. Yo, t'as vu le clip de la femme à Los Angeles qui a volé le rack y a pas de chip? Oh, il vient de dire la femme. C'était enragé quand même. All right, next. J'ai pas vu tout le clip. Non, non, non. On l'a vu. Oui, c'était correct. All right, next. Fait que la fille dans Insecure. Son ami là. Je l'ai vu pleurer comme hier. J'ai pas vu, mais ça je savais déjà. Mais. J'ai pas vu l'histoire que ça. Non, Yvonne Orgy. Oh la virgin. Ouais, c'est ça. Elle est virgin, mais dans l'émission, c'est une grosse fille. Okay, en tout cas. C'est toujours comme ça. Ok, c'était elle vraiment que j'avais vu qui disait qu'elle était virgin pour vrai. Ouais, non, puis elle est pour vrai. C'est longtemps qu'elle en parle. Mais on s'attend que je m'en calisse, man. Mais les gens font un big deal avec ça. Est-ce que c'est un big deal vraiment? M'en calisse. Mais techniquement, j'avais pas besoin de savoir ça. C'est pas mon point. C'est son compte. J'ai pas besoin de savoir comment les gens s'abonnent, guys. Comme next. On s'en fout. La seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que she missed out on a lot of stuff. Elle a 39 ans, puis dans la trentaine. Si je me souviens bien, les femmes sont leur apogée là-dessus, là, c'est comme... She missed out. Don't give but that's her. Non seulement missed out, tu as trouvé la personne qui est pour toi et puis le package n'est pas packaging. T'es moi, personnellement, t'es avec, une femme là? De mon âge... T'es coquée! T'es coquée! Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi, tu as right moi, en tant que grand monde, je ne sais pas. Je ne vois pas des bien jeunes filles, là. Il y a ça aussi. Ben non, ben yo... Faut que je te comme prenne ça tout mouillé. Comme le gars a dit, mouillé, I want a sinner. Moi, personnellement, faut que t'aies de l'expérience. Uncle a dit, I want a sinner. Ça, c'est moi. Moi, personnellement, écoute, un, pour vrai... Je suis trop vieux pour montrer à quelqu'un quoi faire. Pour vrai, je m'en fous tellement. Là, ça, c'est ça. Non, on s'en fout. Mais en même temps, mais si je dois donner une opinion, pour moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Mais c'est sa vie, fais ce que tu veux. Is it a religion thing? Gère tes privates comme tu veux. Je sais pas, j'ai pas lu l'histoire. Moi, je suis pas là pour calculer. Dans le fond, c'est qu'elle, elle veut que... je sais pas si c'est au niveau de sa culture ou whatever, mais il y a des femmes qui pensent comme ça que moi, si je donne mon corps, ça va être à mon mari. Genre. Ouais. Mais l'affaire, c'est que oui, c'est ton mari, mais comme tu sais, quand je disais... Quelqu'un qui va la marier, il va la laisser le lendemain juste pour l'avoir faite. Tu comprends? Monsieur Bagden. Non, mais ça arrivait. Moi, je sais pas, quand j'étais jeune, elle a fait « Oh non, pas avant 5 mois ». 5 mois arrive, le gars le finit à quel après là? Ouais. Il a attendu 5 mois, mais après il finit à quel là? Ça, le ghosting. Yo, just go when you're ready.
Il y a ça. Mais écoute, regarde, peut-être que c'est religious belief, I guess. Ah, ouais, c'est correct. C'est ça. Ouais, mais j'aurais aimé qu'elle garde ça pour elle, honnêtement. Ouais. Parce que maintenant, elle est comme un peu la risée. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps qu'on ouais, m'en avait parlé longtemps. Depuis le premier Insecure qu'elle a parlé de ça. Oui, là, mais après ça, nous, tout le monde a passé à autre chose. Mais là, tu reviens là-dessus. Mais là, maintenant, on revient avec une nouvelle mentalité. En fait, elle est fière, moi. Elle est fière. Real talk à la longue, là. Sois fière tout seul. À part des personnes qui vont essayer de la conquérir, je te garantis que la majorité, don't give a fuck. Mmh. Non, mais non, c'est ça. C'est à moi que tu sois pour la conquérir. On en a parlé pour le bref temps que ce qu'on en parle, puis après, c'est comme everything else, ADD, ouais. Moving on to quelque chose. Je comprends. Peut-être qu'elle a besoin de Will Smith dans ça. Tu fais un segway, hey, avoue, là, je t'ai amené l'affaire direct. Là. Like. Je voulais même pas en parler. Bah, moi, je te l'ai amené. On parle duquel, là? Il y a tellement la non, mais l'affaire de Dwayne Martin, là, qui est sortie. Ah, mais de... écoute, cette rumeur-là, elle est là depuis la pluie des temps. Ah, ouais, genre, c'est fait. Ouais. Ah, mais ça, c'est dans le temps qu'ils étaient des swingers qui disaient qu'ils étaient ouais, des ouais. Swingers. Non, mais c'est là. Which they probably were. I guess. Non, mais ça, c'est. Who cares pour de vrai? Ça, c'est plus who cares. Bah, ça, c'est leur vie. C'est ça, parce que l'affaire de Yvonne Orji, l'affaire qu'elle est 29 years old, a virgin, je pense que c'est plus comme. Une discussion un peu plus deep parce que c'est comme is it worth it quand tu comprends maintenant tu as un ami ou une amie qui dit qu'il va faire ça, est-ce que tu le supportes, est-ce que tu supportes pas, est-ce que tu lui dis de tu sais de whatever. Moi c'est plus dans ce sens-là. Tu vas faire ça comme qu'elle va se lancer dedans ou qu'elle va rester virgin? Non c'est ça, que comme ton ami vient te voir et il dit oh oui moi je vais rester virgin jusqu'à 39 ans, tu lui dis comme cheers. Non mais c'est ça, tu sais, fait que anyways, mon point que je veux dire c'est que c'est différent de l'affaire de Will Smith. Tu supportes ton ami que, qui, you know, si ça leur rend ouais, heureux. Moi, l'affaire de Will Smith, c'est pas le fait qu'il est swingé. Voilà, ça, c'est sa business. C'est le fait que ton partenaire qui est en train de te blow comme ton, ça. Ton ex-partenaire. Enfin, ah, dans le fond, à la base, ouais. C'était pas mon partenaire. Ouais, mais ce gars-là, c'est un trou de cul. Mais bon genre, là. Mais l'argent, tu l'as pas payé assez, bro. It's not about money. You're my friend or you're not, man. Ouais, mais il a dit 40 years friend. I mean, come on. 40 years, c'est beaucoup. Gaby, tu penses qu'il t'y sait à cause de... Tu penses qu'il t'y sait à cause de Love Is Up? Oui, because ain't nobody get paid. Je sais pas, je pense que... Non, mais... Tu penses que je vais négocier ou... Mais t'as pas vu dans Breakfast Club quand... Jada, elle a apparu puis elle a dit que tu l'as vu toi. Ouais, qui va elle elle a apparu puis elle a dit que they're gonna sue the hell out of him parce que ouais. C'est tout caca, tout ouais. La bullshit qu'elle est en train de dire. Ouais. Fait que si c'était ouais, pas, moi personnellement je l'aurais su. Si c'est du defamation, mais tu veux qu'il ferme sa gueule, tu veux qu'il ferme sa gueule aussi. Non, mais c'est que si il dit la vérité, they can't sue him. Ouais. But if ouais, mais moi j'aurais su. Yeah, but they can't prove if it's la vérité. Non, mais apparemment là, oui, comme c'est it's defamation, he's literally lying. Puis là ils vont le poursuivre. Fait que à ce niveau-là, tu vois déjà que. Pas pour Will Smith, pour de vrai, j'ai tellement de peine pour lui. Pour ouais, de vrai, je l'ai détesté deux secondes quand il slap le panneau, mais après ça, là, ils sont tellement sur son case, man. Comme, yo, j'aimais ce gars-là. Là. Bro, yo, Will Smith était pas l'acteur, là. Il a donné il va sortir un livre. Il va sortir son podcast. Oh, ouais. Non, mais, money wise, I'm not worried. Non, c'est sorti le livre est sorti déjà. Ouais, mais money wise, non. Oh non, Will Smith a sorti un livre, c'est vrai. Oui. Will Smith a sorti un livre après Jada. Non, avant. Non, mais j'ai entendu qu'apparemment, il va sortir un autre. Un autre. Mais je sais qu'il y a son. Ouais, genre, whatever. Mais ce gars-là, il peut. Part 2, il va s'appeler. Ça va s'appeler Entanglement. Part 2 of God knows how many. From the back door. Après ça, il va sortir son podcast. Et puis, écoute, quand il va sortir un film, on va tous aller le regarder. Oui, clairement. Mm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça enlève financially. Il n'y avait pas de problème. Là. Ces gars-là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question d'image aussi. Là. Ouais, ben là, c'est aussi. I think he's. Il y a toujours quand même une image assez clean. T'sais. Puis là, tout d'un coup, là, c'est comme on ne lâche pas. Là. Jada, elle n'aide pas. Là. Elle n'aide vraiment pas. J'aimerais que cela ferme d'eau ou qu'elle aille trouver Tupac. Ce serait bien. C'est l'amour de sa vie, non? We do not wish death upon anybody. I'm not wishing that. I'm clearly sure that she said that was the love of her life. Did not mean that. Okay. So let's please move. T'envoyer la femme tuer sa tête. Let's non. T'envoyer la femme tuer sa tête. T'envoyer la femme tuer sa tête. T'as dit qu'elle peut aller trouver. Mais elle peut faire comme dans le film avec Whoopi Goldberg là, l'autre Ghost. Elle peut faire ça puis laisse nous tranquille. On that note, which way you want? Je pense pas que just pour, go. Je pense pas que pour Tupac, c'est ça l'affaire. Oh my écoute, God. Tupac was the était pour tout le monde. OK. À la fin de la journée, tu es de loulou, tu fais ce que tu veux. Juste ferme-la. Ferme-la. Ton dernier film était Leave us alone. Après ça, t'as pas entendu jusqu'à ce que t'as fait Girls Trip. Même les Girls du Trip, t'as drop. Là, maintenant, c'est comme... Okay. T'as besoin de quelque chose pour stay relevant? Je sais pas. Oh my God. Yeah, I think they'll be just fine. Bref. OK, so... F1, Las Vegas, êtes-vous au courant? Affaire de pont, là? OK. Fait qu'ils vont faire, ils vont faire le F1 à Las Vegas. Makes sense. OK, mais ils sont en train de
craser tout le strip là. Oh. Tout le strip. Ils ont tout changé. Les autos vont passer dans les rues. Ok, c'est pas un piste de course comme ici. Non. Ils transforment la rue de Las Vegas. Ben, pour de vrai, le strip est assez large pour ça là. Oui, mais là il faut mettre des podiums. Il faut, on enlève les fontaines du Bellagio. On construit des affaires, on construit des ponts, des toutes les affaires temporaires. Ils ont coupé des arbres. De l'argent. Yo, bref, les gens sont fâchés. Mais qu'est-ce que tu coupes les arbres? Toujours les gens qui sont pas contents. Ça doit être des faux arbres. À Vegas, le gazon est même pas vrai. Écoute, les panneaux sont. Non, mais c'est les panneaux sont partis vivre dans un désert. Ils sont encore à l'est. Les panneaux sont partis. Non, mais pas de voir à Vegas. Yo, moi, je suis allé, puis j'ai pas vu de vrai gazon là-bas. Partout où j'allais, même des quartiers résidentiels, c'est du faux gazon partout. Where are you gonna go? Parce que vous avez pas d'eau pour arroser, man. Toute l'eau est au Bellagio. Oh my god. Ok. So, allez chiller dans le Grand Canyon jusqu'à temps que c'est fini. C'est ça, exactement. oui. Man. Mark Zuckerberg, sa première entrevue dans le Metaverse. Avez-vous vu ça? Non. Okay. J'ai regardé 10 secondes. C'était trop pour moi. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as vu? 10 secondes. Non, mais qu'est-ce que t'as vu? Moi, j'ai pas pour de vrai. Ça m'intéresse pas cette chose-là. Mais. Parce que si j'y pense trop, ça va commencer à me faire peur. Ouais, ouais, ouais. Puis I'm like, fuck that une shit. Une entrevue dans le Metaverse. Fait qu'il y avait, ouais, ouais, y avait comme son avatar dans le Metaverse. Exactement. Puis je vais te montrer vite là, faut que tu vois ça. Tu l'avais vu, toi? J'ai vu que le Metaverse n'a pas comme vraiment fonctionné comme qu'il voulait au début. So. Fait que c'est genre son avatar comme si c'était Fortnite, whatever. On fait une entrevue dans Fortnite, genre. But who cares? Ok, montre-le à Vectrum. Mets-le là, Gab. Ça va avec toi complet là. Mark and I are hundreds of miles apart from each other. OK, c'est correct. Mais non, mais je peux t'appeler en vidéo. Non, montre la vidéo, je veux qu'il voit là. Il monte la science. Prends le téléphone. This technology is incredible. And I think it's the future of how human beings connect to each other in a deeply meaningful way on the internet. C'est bon, tu m'as posé, tout écouté. Yo. Il me semble qu'il y a un film comme ça, non? Ça dit « in a deep, meaningful way ». Nos enfants aujourd'hui ne sont même pas capables de se parler entre eux comme s'ils n'ont pas une tablette en main. Et là, tu essaies de me dire que maintenant, c'est comme ça que les gens vont communiquer puis comme vraiment top, interagir entre ben, personnes. Techniquement, le fait des gens s'envoyant des mimes, on oui, se parle même pas. Oui, écoute, oui, voilà, mais ça, c'est... Déjà là, c'est... j'ai hâte de voir ma belle-fille. Attends, mais il faut que tu vois... Mais il faut que tu vois la façon que... Parce qu'elle parle au téléphone, hein? Yo, je suis frais. Mais je sais quoi? J'appelle, il monte sa boîte vocale, il me texte. Ils savent pas comment parler avec les gens. Il veut pas parler au téléphone. Il veut rien savoir là. Les autres vont répondre, mais lui, comme non. Regarde, un autre 10 secondes, ça fright ton cerveau. By the way, la voix que vous entendez, c'est Lex Fridman. C'est un génie de MIT qui a son podcast. Il a fait fureur sur le Joe Rogan podcast. Okay. Puis là, maintenant, il a comme parti son propre podcast. Il reçoit des scientifiques, des mathématiciens, des OK, fait que là, c'était une autre personne qui parlait dans le corps de Mark Zuckerberg. Non. Là, c'est Mark Zuckerberg. OK. Mais ça, c'est quand c'est en noir, c'est là. C'est le Metaverse, là. Ça a l'air réel. Comme là, tu vois, c'est ça que eux autres, ils voient. OK, ils se voient comme ça, là. Eux autres, ils se voient en 3D. Regarde. Mais comme la technologie est impressionnante. Oui, c'est ça que... I don't care. Non, mais parce que moi... C'est parce que l'affaire qui est fucked up, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Les gens vont se brancher plus que de vraiment voir des gens live. Qu'est-ce que je veux que les gens comprennent, c'est que je suis tombé sur ça par hasard. Okay? Je suis le podcast de ce gars-là, mais je n'écoute pas tout. Hein? Ton algorithme, voilà, c'est pas par hasard. Non, t'es con, t'es vraiment con, Martin. Arrête, toi, non, tu arrête vois, avec c'est mon algorithme. Extraterrestre. Non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Lex Fridman, je suis son podcast, mais je n'écoute pas tous ses épisodes. Okay? Yeah. Je suis tombé sur ça, j'ai fait « Hey, first interview in the Metaverse », je pensais que c'était une joke. Parce que le Metaverse, j'avais entendu que c'était mort. Ouais, c'est ça. Ça fonctionnait pas, mais que ça fonctionnait pas. Mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce que j'ai su? Qu'est-ce qui est mort? C'est la version... Comme la version... C'est une série, genre. C'est ça. Ouais. La version, oh oui, on va avoir des maisons, on va avoir des affaires, des affaires comme ça, comme dans le monde, tout ça et tout et tout. Ça, cette version-là, je pense que c'est dead. Avec des personnages cartoon, des affaires comme ça, des avatars, tout ça, whatever. Là, ça... L'affaire qui m'a rendu fucked up, c'est que j'écoutais l'entrevue et des fois, j'oubliais que l'image de la figure de Mark Zuckerberg, c'était une affaire virtuelle. En 3D. Ouais, virtuelle. Ouais. Même pendant que j'écoutais l'affaire.
Ça m'a fucked up là. J'ai pas écouté au complet, non. L'affaire est... Non, c'est une heure de temps, puis... C'est impressionnant. Mais non, la... C'est des affaires que... Ça se met à dire les catfish, là. Ça va être catfish. Ça va être le fun pour les gens qui voyagent ou si t'as des membres de la famille de l'extérieur ou whatever. C'est fucked up. Tu préfères mieux faire ça au lieu de faire un appel vidéo. Puis that's it, man. Ok, ouais. Je vais juste. J'avais mis ça dans le groupe. L'influenceuse qui est morte. Pourquoi je ris quand les gens meurent? So I'm sorry. L'influenceuse qui est morte, elle a fait un knee liposuction. Comment? Un knee liposuction. Ah, ça, qu'elle ouais, avait trop ouais, de gras ouais. dans son knee. Ouais, puis après, elle a un blood clot. Ouais. Puis tu vois après ça, tu vois des photos d'elle, t'es comme, girl, you look fine. You look like a normal person. Mais elle était comme, mon nid est gras. Puis la femme, c'est une modèle, là. Moi, je savais pas que c'était quelque chose que tu pouvais faire vraiment au niveau du genou, là. Tu vas le faire, Rémi? Pourquoi que j'aurais besoin de faire? Bah, comprends une question. Tu l'as vraiment dit comme si, oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Comme ça, c'est light bulb, light bulb. Fait que toi, ça, c'est le ton que t'as entendu. Même genre de ton que t'avais entendu dans la moto. Fou. Eh, c'est bon. Ah, la mort. Oh, OK. King Charles. Ah oh oui, King Charles promet an ease of cost of living while rocking half a billion dollars. Non, parce que attends, moi je ris parce que. Moi je ris parce que c'est Jude qui a marqué là, cette période-là. Wow, rocking. Le partner, je sais pas combien de bread sur sa tête, tu sais. Okay. Yo, that was a G move. Yo. Let's that discuss. Is that okay? Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous pensez que t'as vu son gown? Est-ce que t'as vu son gown? Yo, le patin, il se lève le matin. Le patin, il a un gown. Après, il y a un mauve blanc avec des plumes. Diamant, bye. Yo! J'ai froid. Tu sais, la reine, ça passait. Parce que, tu sais, les femmes, t'es habitué, les femmes, tu sais. Wow. Toujours, tu es frais, les femmes, vos boucles d'oreilles. Patin, mon gars. Patnam a une robe de chambre de 5 millions de dollars. Oui, il manquait avec la... un sceptre. Il aurait fallu que le sceptre, c'est un sceptre, mais genre plus genre pimp avec ouais, le diamant. Avec le diamant. Aïe, bro. Oh, non, c'est je suis d'accord avec le sweat. Where my bitch is at? Je suis d'accord avec le sweat. Bonne pitié. je regarde la liste parce qu'elle est très longue, la liste de oui. ce que tu voulais parler, là. Excuse-moi. Terrence Howard, il a fait 12 000 $ seulement avec Austin and Flo. Yo, ouais, mon 12 gars. 12 000 puis 6 000 avec Crash. What yo. Fuck, ce film était solide. Non, mais lui, je crois que j'ai appris à mettre ce gars-là. C'est là que j'ai mis un acteur. Non, c'est ça. Si c'est vrai tout ça, parce que j'imagine que c'est vrai s'il l'a dit publiquement, mais si c'est vrai tout ça, je comprends pourquoi il y a Snap. Oui, parce que la fin, bon, déjà pour la chanson It's Harder Here for a Pimp, ils ont crédité DJ. Ouais. Mais DJ, c'est le nom. De l'artiste dans le film. Mais dans Terrence Howard, il était un des producteurs ou il était juste un acteur? Il était juste l'acteur. Il a signé un contrat? Ouais. Ben voilà. Shut the fuck up. C'est le contrat, moi. I'm sorry. You signed non, a fucking contract. Non, mais parce que la fin, c'est qu'il est sorti. Au moment que tu l'as signé, t'étais satisfait. Non, il a dit, il a signé le contrat parce qu'il y avait un rent à payer, il y avait des affaires à payer. Parce qu'il commençait. Mais il a dit l'affaire, le problème, c'est que les royalties que tu reçois après le film, même si tu m'as payé 12 000. Royalties, c'est dans ton contrat, des fois, c'est un salaire fixe, c'est tout. Mais je ne sais pas si ça a été changé, tout ça, mais il disait que que les royalties, au lieu d'aller à son nom, ils l'ont mis au nom du caractère, du personnage du film. C'est ça. Puis c'est le personnage du film, ben, c'est la compagnie. Fait que dans le fond, la compagnie a juste repris les royalties. Est-ce qu'il le savait pas? Ça se peut qu'il savait pas. Ils ont coupé, mais la partie que j'ai vue, c'était ça. Guys, at the end of the day... Aujourd'hui, il makes millions because of that. Guys, at the end of the day... Qu'est-ce que je veux dire, c'est pour que... Pour ça, il y a eu le strike, dans le fond. Ouais, pour des choses comme ça. Ben, le contract... Pour des choses comme ça, le healthcare... But you sign a contract. Mais attends, Martin, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. However, tu entends l'expression souvent, contracts are made to be broken. That's what he needs to do. Si vous donnez un exemple, Dave Chappelle, avec son histoire de son comedy show... Sauf avec que son lui, en même temps, il s'est mis dans une position où il était capable de se battre. Yeah. Mais en fait, c'est ça. Fait que sa position n'a rien à voir avec le résultat. Ben, je veux dire... Non. Mm. OK. Sorry. Je suis en train de dire son droit de se plaindre... Netflix aurait pu dire « fuck you anyway ». C'est exactement. That's my point. C'est ça. Fait que son droit d'aller en cours ou de combattre un contrat, c'est son droit à lui. Maintenant, si en cours, il trouve qu'il y a raison ou pas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est Netflix qui ne se sont pas battus.
Quand il a fait la demande. Non, c'est pas Netflix, c'est Comedy Central. Ah, tu parles de Comedy Central. Ouais, Comedy c'est ça. Ça, je le disais parce que je pense que Netflix. Ouais, parce que Netflix avec son back. Netflix avait les droits de diffuser les épisodes de son. Oui, ils ont décidé Ouais, mais il y a un contrat, lui, pour donner des spéciales pour pouvoir enlever ça aussi, là. Ben après, ouais, après, parce que Netflix se sont dit aussi en même temps, we're going into bed. Oui, they were already into bed. They were already into bed. Oui, en discussion, right. Mais c'était dans leur intérêt aussi de ne pas faire chier. Exactement, right? C'est ça. Fait que, mais où ce que je veux en venir, c'est que, non, c'est ça, puis tu sais, même moi, tu sais, comme full disclosure, tu sais, c'est comme, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je me suis rentré dans un contrat aussi pour la business que présentement j'essaie de choses, parce que dans le fond, moi, mes grounds, c'est simplement que comment que tu peux faire when it doesn't make business sense, tu comprends? Tu signes un contrat and then après ça, c'est comme... Non, tu sais quoi? Tu signes un contrat, mais après ça, l'interprétation du contrat, ça laisse... C'est comme oh oui, mais c'est ça qu'on voulait dire. Non, I'm sorry. Ah, oh, mais là, à ce moment, c'est avocat. Tu comprends ce que je veux dire? Non, là, ça fonctionne pas. Si le film n'a pas fait d'argent, il n'y aurait plus ça pour tourner en arrière. J'ai un meilleur exemple comme DJ. Tu me bookes pour un club, tu me donnes 500$, que ça soit un flop, that's on you. Oui. Pis si tu as fait 50 000$ avec l'argent, je ne peux pas arriver et dire, oh non, donne-moi plus, tu as fait de l'argent. Hey! Toi, ce que I'll deal with you. Ce que c'est tu peux faire, c'est que la prochaine fois que tu te fais booker. Ah, clair, là, j'ai demandé. C'est exactement c'est ça. C'est exactement ça qui est avec lui. Grâce à ce film-là, après, il a demandé plus d'argent. Mais c'est ça. So, anyways, mais je veux juste dire que pour cette situation-là, l'affaire de Hustle and Flow, 1000%, I hope he wins. Of course. Ouais, je lui souhaite pour lui. C'est au côté humain. C'est plus oui. La partie des royalties qui, ouais. Qui le dérange. Oui, mais ça dépend de fait. Mais tu sais, il y a des acteurs, que, je ne sais plus c'est qui, en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui font ça, que je suis Tom Cruise, je suis qui fait ça, ils ne demandent pas de salaire, demandent un pourcentage du profit. Ouais, ouais. Ils font des milliards. Ouais, ouais. Non, d'argent. Tom Cruise demande un salaire de malade. Ouais, non, parce que t'es censé d'être Iron Man, puis à cause du montant que l'argent, ils ont dit non. Oui, oui, oui. Ben, oui mais oublie mais pas c'est que... Mieux, Robert, on est mieux Robert. Ouais, ouais. Parce que de toute façon, Tom Cruise aurait couru tout le long du film. Il aurait dit quatre paroles. Mais oublie pas que Tom Cruise a sa propre compagnie de production, là, fait que l'émission Impossible, c'est pas lui. Je te donne un exemple. Mais je comprends ce que je veux dire. C'est comme, il y a des acteurs. Des acteurs de cachet, comme Leonardo DiCaprio. Est-ce que lui, à ce moment-là, il aurait dit, on te paye pas, on donne un 3% des choses. Mais des fois, il y a qui aurait dit, aïe, aussi, ça marche pas. Tu voulais ton argent, t'as eu ton argent. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les deux. Ils demandent un salaire, puis... Oui, ouais, for sure. Mais ça t'est arrivé avec Black Widow? Ouais, Black Widow? Elle a dû se battre. Moi, tu penses qu'on paye les deux acteurs dans Blair Witch Project? Man. Il y a pas de paquet d'argent, là. Sans de parler, c'est comme quand même chaud. Mais je pense encore que tu peux... Je suis pas avocat, je peux pas savoir. Mais tu peux touchy. Si t'as de l'argent, tu peux peut-être engager la bande. Moi, je prends un risque en faisant un film. Ça marche, je fais de l'argent, ça marche pas. Je te paye, puis je perds de l'argent. C'est un risque. C'est comme Disney qui se bat présentement pour Mickey Mouse. Ah oui. Comment? Ils vont perdre Mickey Mouse? Comment pour Mickey Mouse? Je pense que le dessinateur qui a dessiné Mickey Mouse en 1938, là, je pense que c'est comme un nombre d'années qui fait en sorte que là... Il leur appartient plus, c'est genre. Ça, c'est ça, comme un brevet. C'est un, ça, quelque chose du genre, là, comme... C'est comme un pattern qu'ils ouais, ont eu. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway, là, ils sont en cours de se battre pour ça, là, tu sais. C'est pas comme 50 ans, quelque chose de même? Trust me, Disney va gagner. Pas qu'ils vont gagner. Ils vont jamais laisser tomber. They're gonna settle. Mais ok, fait que next. C'est quoi j'avais mis? C'est pas mal ça, guys. Il y avait quelques-uns, mais. J'ai juste parlé vite. Ouais, vas-y. Du pompier avant de revenir à Montréal. Oui. Vas-y. Toi, c'est. Quand on parle en bien ou en mal des réseaux sociaux. Là-dessus, ça aide. Of course. Parce que ces affaires-là existaient tout le temps. Mm-hmm. Puis on n'en parlait pas parce que le monde va en parler à des gens. Ou même quand c'est dans le journal, tout le monde peut le journal. Sur les réseaux sociaux, ça devient viral, tu le vois partout. Je suis content qu'il est sorti parce qu'en réalité, il n'est pas plus sorti pour lui. Mm-hmm. Sa carrière est faite quand même. Là. Il fait quoi, 20 ans, 15 ans qu'il est policier. C'est ça, donc, qui est pompier, excuse-moi. Donc c'est vraiment pour... Il est vraiment sorti. Comme lui, il a vécu des choses comme ça. Il n'en a jamais parlé avant. C'est une personne qui parlait quand j'ai compris l'article. Mais il a vu un jeune... à qui c'est arrivé, puis il est intervenu. Fait que pour de vrai, kudos to him, man. Pour de vrai, c'est... C'est quelque chose qui se passe comme depuis... Everywhere. Ouais. Exactement. Fait que ça se dénonce, puis en espérant qu'il y ait un changement là, dans la... Je pense pas. Serrer des vis, hein? J'espère. Comme je te dis, il y aura des formations de conduct. Ah oui! Ils vont se tenir les fesses serrées. Puis... Comme toutes les compagnies. Les compagnies ont toutes maintenant un quota de personnes ethniques qui sont engagées. Est-ce que ça change grand-chose si ta mentalité ne change pas?
comprends? Parce que t'engages, oui, c'est vrai, ouais, t'as un nombre d'employés. Mais au moins, comme tu dis, baby steps. J'ai pas de compagnie, mais quand tu regardes les high and up, l'idée, c'est pas très ethnique, là. L'idée, comme tu dis, au niveau de la mentalité, peut-être qu'elle va pas changer, mais au moins que quand tu sais que quand tu rentres, tu passes à travers certaines portes professionnelles, ben, tu dois avoir un certain comportement et respecter les règles. Yeah. That's it. Je voulais finir sur ça. On va pas, on n'est pas obligé d'en débattre, mais je voulais vous faire entendre ça. Ça, c'est en rapport par rapport à tout ce qui se passe avec le, là, les enfants s'en vont en grève, les professeurs. Ah, les profs en grève la semaine prochaine encore, à cause de leurs conditions de travail. Mm. Puis j'ai une vidéo en lien avec ce qui se passe avec les professeurs. Là. Mais moi, aux États-Unis aussi. Là, un autre, là, parce que je suis pas quelqu'un qui est pro-syndicat. Parce que moi, personnellement, moi, dans ma vie, ça m'a bloqué, mais eux, ils en ont besoin. Même. Ces gens-là éduquent nos enfants. Yep. Bon, moi, ça ne m'affecte pas parce que nos enfants sont plus grands maintenant, mais éduquent nos enfants. Ils font un salaire de pauvre. Je suis désolé, ils ne sont pas payés, man. Tu sais pas commencer une job, je ne sais pas c'est quoi un salaire de professeur au début, quoi, 60, 65 000? What the fuck, man? On avait checké, c'était pas 50 000? Ouais, tu as fait des études, là. Mm. J'ai du monde qui sortent, qui ont fait un DEP, là, qui ont fait presque 100 000 par année en sortant de l'école. Yeah. Anyway, je vais juste mettre ça, puis on pourra finir l'épisode sur ça. The new rules of humanity can impose rules on warfare. Let's do something really ambitious. Let's try them on high school. Because our public schools are no longer safe. For the teachers. A 15-year-old in Houston this year sucker punched his teacher for confiscating his phone. After screaming, give me my phone. I told you to give me my fucking phone. Hey, Sprint, you may have a new spokesperson. Sure. Mais ça, c'est aux States, ça. Oui, oui, c'est aux States, man. Ici, ça commence aussi, là. Ça, on a parlé la semaine dernière. Mais lui, il est autiste. T'as vu? Les professeurs, là, ils font pas ça pour l'argent, c'est ils veulent c'est ridicule. Pour donner. A third of teachers in America say they've been harassed or threatened, and one in seven in this country has been physically attacked. 2023 kicked off with the story of a 6-year-old boy taking a gun to school in Newport News, Virginia, shooting his teacher and then declaring, "I shot that bitch dead," which would be a cool last line for a Mickey Spillane novel. La mère de cet enfant-là est en cours, là. Every day in every one of our schools, teachers, students, and other staff members are being hurt. Every day, they're hit, they're bitten, they're beaten. No wonder 50% of teachers express a desire to quit or transfer to something less dangerous, like walking Joe Biden's dog. It's fucked up, huh? No wonder 86% of public schools have a teacher shortage, because 20 years ago, if you said American high school, people pictured this. Merde. C'est tellement vrai. De point, mais c'est ça, c'est fucked up. Mon monde est à l'envers, même. America. Moi, je savais pas qu'ils avaient le droit, ils ont le droit de leur téléphone à l'école. Moi, je savais pas, j'étais saisi.
Il n'y a pas de l'utiliser en plein milieu de la classe. Hmm? L'utiliser en plein milieu de la classe. Oui, c'est ça qu'ils disent. Moi, mon fils, quand il a commencé le secondaire, c'était la première année à son école qui introduisait excuse-moi, l'iPad. Il n'y avait pas de livres, c'était tout sur l'iPad. Mais il y a tellement à faire de bloquer dessus, il ne pouvait rien faire. Ouais. Ah, quand il était sur. Je pense que c'est à cause du Wi-Fi. Le Wi-Fi d'école, tu ne fais pas aller sur Facebook, donc tu ne fais pas aller sur rien d'autre. C'était bloqué. Anyways, non, mais moi, je trouvais ça. Puis pour ceux qui nous écoutent ou peu importe, c'est un clip de Bill Maher. Bill Maher, c'est un show qui passe tous les vendredis sur HBO. Yeah. Et puis, ça, c'est son segment, son éditorial qui fait tout le temps. Qui s'appelle New Rogue, qui fait tout le temps à la fin de l'épisode. Puis il y a toujours des. Qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que oui, il donne son opinion, mais he's bringing facts. Ah non, c'est carrément c'est comme tu sais puis moi je trouve que c'est très alarmant de voir justement parce que moi c'est ça que je remarque de plus en plus c'est de voir mes enfants évoluer comme moi mes enfants comme tu sais comme je suis pas c'est pas pour me péter les bretelles mais j'ai vraiment fait un effort avec mes enfants pour qu'ils soient le plus poli possible puis le plus gentil puis comment c'est notre job c'est le job des parents parce qu'il y a des parents qui comprennent pas ça non ben c'est ça que je dis puis il y a des parents qui ont juste vague sur ça puis qui disent l'enfant va s'élever tout seul. Puis là, tu te ramasses dans des positions où ce que les enfants sont juste mal élevés. Moi, ce que j'aime, c'est que... Tu vois, l'épicerie, les enfants trouvent ça drôle. Les parents trouvent ça drôle. L'enfant va l'apprendre plus tard. Oui. Il va comprendre ou va l'apprendre plus tard. C'est ça, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est comme non ou comme... Il va s'éduquer lui-même, genre. Tu sais, fait qu'anyway, fait que pour moi, c'est ça que je vois. Quand je vois ça, c'est comme, je suis comme, yo, on est rendu là, là. On est rendu là. Comme, c'est, ça, c'est les mêmes personnes après ça qui vont travailler après ça au fucking car wash. Ou. Regarde, il y avait son segment pour le début à la fin. C'est bon. Ou dans les magasins ou dans les affaires. Puis c'est comme. Attends, il faut. Non, mais ça, non, ça je vais le dire. Attends, l'affaire au concessionnaire. Oh yo. Non, I'm going to finish with this. Okay. Ça, c'était malade mental. Vas-y. OK. So, je me suis acheté une nouvelle voiture. OK? OK. Non, parce que j'aime pas ça faire de la promo. Mais donne l'idée générale. OK, parfait, OK. C'est une voiture de luxe. Oui, luxueuse, ouais. OK. Donc, je m'en vais à un concessionnaire à Laval de ce concessionnaire-là, sur le boulevard Chomédé. Wink, wink. Ils ont supposément des services très... C'est ça, OK. Mmh. Fait que ça a commencé par, il y a deux semaines avant mon rendez-vous, parce que dans le fond, c'était pour les pneus d'hiver. Fait que c'est une nouvelle voiture, fait que j'ai besoin de des nouvelles roues et les pneus qui vont dessus, right? Parce que, bien sûr, j'ai fait la gaffe d'acheter des pneus trop gros, des roues trop grosses. Il ne faut pas des pneus d'hiver pour les rims que mais j'ai. Mais souvent, c'est comme ça que ça arrive aussi. Exact. Souvent, c'est comme ça. Mais même pneus d'hiver, c'est pas la même chose. Là. Exact. Non, mais c'est des ça. Des fois, mais... ça en hiver. Non, mais ça peut arriver dépendamment du modèle, mais en général, tu as les plus gros. Mon Acura à moi, c'est. Je change juste le pneu, right? Mm-hmm. Tu comprends? Parce que c'est des 17 pouces, whatever, c'est correct. On s'en fout, ça finit là. Cette voiture-là, je ne pouvais pas mettre des pneus d'hiver dessus. Il fallait que j'achète une autre roue. Longue histoire courte, je m'en vais là-bas. Ils me disent, OK, parfait, voici les deux modèles. Sorry, je parle de avant. La première. La première. Fait que je m'en vais là-bas, unannounced, j'arrive dans le service, et quelqu'un ouvre ma porte. Ils sont comme, bonjour, monsieur, comment qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez rendez-vous? Je suis comme, non, j'ai pas de rendez-vous. Je viens ici pour les pneus d'hiver. Il fait, OK, parfait. Il prend ma clé. Il me dit, tout de suite, donnez-moi votre clé. Il prend ma clé. Je sais pas où ce qu'il va avec ma clé, là. Il part, il revient avec un ticket. Il me donne le ticket. OK? Là, il me dit, le service, c'est là. Parfait, je m'en vais, il monte les pneus, tout ça, je fais mon choix. Finalement, je retourne voir un conseiller, j'avais pas de dossier, ils ouvrent mon dossier, puis tout. La fille me donne un rendez-vous, je reprends une feuille qu'elle m'a donnée, je retourne au service, fait que là, ils m'ont dit, ça là, c'est comme ça qu'on va connecter tes pneus avec ton dossier, comme on donne le rendez-vous, ding, ding, je reçois un courrier, un texto, rendez-vous le 9 à 1h, whatever, questionnaire, tout ça. Je suis comme, OK, cool. Pendant la semaine, il m'appelle deux fois pour confirmer. Je reçois des textos, on m'appelle pour confirmer rendez-vous. Pas de problème. J'arrive, la journée du rendez-vous, à 12h30, mon rendez-vous est à 1h. J'arrive, je rentre, même endroit. Un jeune qui vient ouvrir ma porte. Mm-hmm. Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous. Parfait. Votre clé, s'il vous plaît. Je donne ma clé, il revient, il me donne un ticket. OK. Je sors de l'auto, je m'en vais dans la salle d'attente. J'ai mon laptop, moi je vais travailler, j'ai des choses à faire. Puis où que, comment c'est fait là, littéralement? Où est-ce que Jean-Luc il est là maintenant? Comme je vois ma voiture. Comme, puis là je travaille, je suis comme ça. Là. Je vois plein de va-et-vient, c'était la journée de la première neige. Toi tu étais encore là-bas, j'imagine. Yeah. Mais c'est la journée que c'est la première neige là, la semaine dernière. Non, whatever. Je suis revenu cette journée-là. OK, OK, bon, OK, bon. Fait que c'est la première neige, fait que, tu sais, le concessionnaire était quand même assez hype et tout. Mais tu vois, tout le monde fonctionne, tout ça, il fait ses affaires. Guys, je vous jure, il était rendu
2h30. Plus tard. Mais moi, je travaillais. Fait que c'est comme, j'ai vu le temps passer. Mais dans ma tête à moi, c'est comme, OK, beaucoup de personnes, c'est la première neige, comme, whatever. Mais là, le flag que j'ai eu, c'est comme le consistant, comment il est fait en longueur. Fait que c'est comme, quand tu rentres, c'est comme un genre de queue-leu-leu. Fait que s'il y a une voiture en arrière de toi, ben c'est comme, c'est la prochaine, là. Tu comprends et tout? Donc, je vois un partenaire qui, il a fini avec une autre voiture qui est derrière de moi. Il est en train de ranger l'auto, puis comme si le client s'en va, là, comme si... Mais l'auto est clairement arrivé après moi, là. Je suis comme, mais attends. Je suis comme, mais non. Là, je me lève, je retourne. Je disais, c'était des jeunes. Moi, quand je m'en vais les voir, ils sont là en train de donner des blagues, en train de danser et tout. Là, je fais, guys, excusez-moi, ma voiture est encore là. Comme, est-ce que vous avez eu des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme, nous, on ne sait pas, il faut aller voir un conseiller. Là, je fais... Tu n'avais jamais été voir le conseiller? Là, j'ai fait... Je comprends. C'est comme ça dans tous les concessionnaires. Non, non, non. Non, non, non. Martin, je suis désolé. OK? Je suis désolé. Même si c'est comme ça. Il aurait dû lui dire. Martin, c'est exactement ça, mon point. Mon point, c'est que j'ai pris un rendez-vous. On m'attend à 1h. Je suis arrivé à 12h30. La première chose qu'ils font, c'est « Oh, bonjour, monsieur. Avez-vous un rendez-vous? Oui. Donnez-moi votre clé, s'il vous plaît. » Je donne la clé, il me revient avec un billet. Ça confirme que tu sais que j'ai un rendez-vous à une heure. Moi, pour moi, là, le billet, l'affaire, c'est que moi, je ne savais pas à quoi il sert le fucking billet. Personne ne me l'a expliqué, whatever. Quand là, quand tu vas dans un garage de quartier, tu sais que ce n'est pas toutes ces affaires-là qui arrivent, tu t'en vas, j'étais ce matin sans rendez-vous à une heure, c'était fini. Whatever, tu comprends, tu sais, et tout. Mais quand j'ai déjà été dans d'autres concessionnaires où ce que... quand tu rentres avec ta voiture, OK, tu rentres, même pas. Dans le fond, j'ai déjà été dans le concessionnaire que tu rentres, tu n'es même pas dans le service, sincèrement. Il faut que tu rentres, il faut que tu ailles voir quelqu'un t'annoncer. Là, eux autres, ils ont un garage intérieur où ce que tu rentres et puis que quelqu'un vient t'ouvrir ta porte, excuse-moi, puis quelqu'un te demande ta clé, il donne un billet. Comment que je posais un zoom qu'il faut qu'ensuite j'aille m'asseoir devant quelqu'un pour dire... Oui, bonjour. Oui, c'est moi la personne qui a le rendez-vous à 1h après que quelqu'un a déjà pris mes clips et m'a déjà donné un billet. Je suis désolé. C'est pas vrai, Martin, que... Non, là, tu ne savais pas. Moi, je sais comment ça fonctionne. J'ai déjà travaillé dans un concessionnaire. Ouais. Mais normalement, c'est vrai qu'il y aurait doute. Non, l'employé... Ou quelqu'un aurait dû allumer comme après 1h, comme, hey, ben, qu'est-ce que c'est qui cette auto-là qui est dans le milieu du chemin? Et voilà, anyways. C'était juste pour dire que pour moi, là, le segway, les jeunes qui sont en train de. Pour moi, yo, les jeunes, ils s'en collissaient, là. Comme, ils s'en foutaient, là. Ils s'en foutaient complètement. Comme, je sais pas, moi, il faut avoir un conseiller. La nouvelle génération est différente de la nôtre, OK? Où est-ce que nous autres, on était plus, je trouve, travaillants. Eux, ils pensent plus à vivre leur vie. Dans un sens, je les comprends, dans un sens, c'est comme... Je donne un exemple. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, je mangeais au McDonald's, tu veux un luxe, je m'en vais à Arby's, là. Ouais, ouais, eux, là, ils vont des restaurants à 100, 200 $ par personne, là, sans problème, là. Ouais. Ils vivent plus leur vie que nous, on l'a vécu quand on était plus jeune. Ouais, ouais. Ils voyagent, mon premier voyage. Tout non, ça, non, je comprends. 26, non, non, ans, je comprends. 18 ans, mais je pense que tu parles juste de times have changed. Ouais, mais leur mentalité, c'est comme hey, le travail, le wow, là. Je vais avant, je chill. Faut que je fasse une petite vidéo TikTok avant de te servir. Normal. C'est vraiment ça. Normal. Dans leur tête, ils ont fait leur job. Normal. Ouais, ils vont pas faire plus. Tu rentres sur le job, j'en ai des employés comme ça. Moi, c'est comme si. Ben, ma job, c'est ça. Pourquoi tu as fait ça? Ben, tu m'as pas dit quoi faire. Il m'a donné soit. Ça pour dire que je me suis énervé, ça a pris 45 minutes. Puis c'était fini. C'était fini. Puis ils m'ont donné l'entreposage des pneus gratuit. C'est tout ce que j'ai. Faut pas que tu as payé l'auto, j'espère, mon gars. Ils t'ont donné la feuille pour les pneus. Mais ça venait pas. Hein? Ils t'ont donné la feuille pour les pneus? La feuille, qu'est-ce que tu veux dire? Non, la question sur ta toile. Comme si t'as. Il y a une preuve. La raison pourquoi j'ai dit ça, parce qu'on me l'a faite. OK. Fait que j'ai ramené ma cheville, puis je vais tout juste acheter les pneus d'hiver. Fait qu'ils disaient, là, j'étais super brûlé à la fin de la journée. J'avais fait un switch de dos. Okay. Fait qu'il me dit, on va donner l'entreposage parce que ça a vraiment pris du temps. Puis en plus, t'es une longue cliente avec nous. Et tout. J'ai dit, OK, y a pas de problème. Mais quelque chose m'a dit, reviens demain prendre tes pneus. C'est quand même 1000$. Fait que là, j'ai fait, OK, y a pas de problème. Mais tu sais, nous, on n'écoute pas la petite voix. Fait que toute la semaine, c'est comme, yo, Shirley, va chercher tes pneus. Fait que là, quand c'est temps de changer mes pneus, j'appelle. Parce que moi, j'aime ça les faire un peu plus tôt quand j'ai le temps. J'appelle, je dis, ben tu sais, je suis venue prendre mes pneus parce que je vais faire le switch.
m'a dit de quoi tu parles. De quoi tu parles, il n'y a pas de papier ici. Là, j'ai dit non, le papier a été signé, j'ai acheté des pneus, voici, j'avais même gardé mon reçu. J'ai dit in case, tu comprends? J'ai argumenté, j'ai dit non. Quand je suis venue chercher, j'ai parlé avec telle personne, j'ai amené avec mes pneus d'hiver, parce qu'il m'avait dit, oh non, laisse-les là, de toute façon, l'hiver est fini, le lendemain, il y a une tempête. J'avais des pneus d'été. Whatever, yeah. Fait que là, argumenté, pour finalement, on me transfère au directeur. Qui m'engueule comme du poisson pourri. Oh my God. Là, j'envoie, j'ai dit, oh, j'ai le reçu. Le nom de ton vendeur, j'ai les papiers, voici, telle date, telle chose. Finalement, on me dit, OK, ben moi, je vais te donner les pneus qui sont sur mon plancher, là. J'ai dit, mais c'est la moitié du prix de ce que j'ai mis. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. On change mes pneus, je sors du concessionnaire, je rentre dans le template. Parce que l'affaire n'agrippe pas. Juste slide. Fait que tout l'hiver, j'ai slide. Ah, puis t'as pas eu un remboursement, rien? Non, le gars a juste engueulé. Fait que depuis ce temps-là, quand j'ai, là, j'ai switch. Il dit oui, comme si non, je ne sais pas de quoi tu parles. De toute façon, l'employé n'est plus là. J'ai dit, mais je m'en fous. That's not my problem. Je t'envoie le reçu, on va l'acheter. Fait qu'ils n'ont jamais trouvé les pneus? Ils n'ont jamais trouvé. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vendu les pneus avec l'auto. Ils ont donné à quelqu'un d'autre. Avec l'auto que j'avais switch. Pourtant, dans le dossier, il y avait une feuille qui était écrite. La service à la clientèle, zéro. Fait que là, quand j'ai re-switch d'auto, j'ai ramené les pneus. Vous ramenez les pneus d'hiver? J'ai dit, ceux qui ont failli me tuer, c'est à vous, ça, c'est pas à moi. Wow. Mais j'ai dû me racheter des nouveaux pneus pour le modèle que j'ai maintenant. Jamais, c'est crazy. Jamais. Mais bref, non, mais ça, c'est, il faut faire attention à l'affaire d'entreposage de pneus. Là. Ça, il faut faire attention pour de vrai. Là. Faut... Moi, j'ai été chanceux, ça m'a jamais eu de trip avec ça. Ben là, maintenant, je les garde chez moi, là, mais avant. Généralement, je les gardais, mais cette journée-là, j'étais vraiment brûlé. Je ne l'ai pas argumenté. Ouais. Ah, ça merde, hein. Ils sont ça, les pneus de l'auto. Pas de vrai. Non, mais c'est lourd. Mais moi, en plus, les miens sont sur les mags. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Quand c'est juste le pneu. Quand c'est juste le pneu, c'est correct, mais anyways. Guys. Bon. Merci, thank Shirley, d'être venue. Bless our presence. T'as dit ton nom, c'était quoi, man? Shirley. Non, mais c'est Shirley. On se remonte à loin. You know? Mais bref, mais guys, c'est ça, merci. Il faut, we gotta go. Mais ça pour dire épisode 233 is in the books. Je suis Steven Charles. Kevin Michel. Le podcast People We Out. Yes. Peace. Deuces.